Simoncini de tête. Dans le safe. Voilà. En molelin melilot beshabbat. Ela molel beshinui me'at berashe et sbeotam. Donc ces deux séifim, la séif Vav et séif Zayin, leur vacances c'est dans Betza, Dafiyut Bet Amud Bet et Dafiyut Gimel Amud Bet. Il y a deux sougyotes, il y a le principe de Molelin Melilot et le principe de Nipouar. Qu'est-ce que c'est ces deux trucs? Molelin Melilot, ça veut dire on a les grains de blé dans l'épi de blé. Il faut aussi faire la Peoula de Dash. Dimlol Melilot, c'est la Peoula de Dash. Dash, qu'est-ce que c'est Dash? Dash, c'est la tonne, c'est le Av Melacha de expert. Le grain de blé de son épi. Quelque chose qui est balois, un ochel qui est balois dans de l'obsolète, le fait de le sortir, ça s'appelle peoulat dash. Lichora, ça ressemble à borer. Bon, la différence, c'est que borer, c'est pas enfui l'un dans l'autre. Quand il y a quelque chose qui est enfui l'un dans l'autre, alors ça rentre dans la peoulat de dash. On va voir que dash, c'est un bon lien, tu dois être amour que borer. Et on va reparler de ça avec la robe. Donc un fruit, une orange, quoi ça c'est, non, c'est dash, même c'est mouta, mais la peoulat, c'est dash. C'est enfui dans la. Ça, c'est vrai que c'est enfoui, mais à part ça, il faut dire aussi que c'est la manière dont tu le fais sortir. Dash, c'est en appuyant sur le tout, tu le fais sortir. Comme le mythe du raisin, ou bien l'épi de blé. Comment ça se passait l'épi de blé dans le Mishkan ? Ils faisaient passer avec leur behemoth sur les épis de blé, qui marchaient avec leurs pieds. Ça sortait. Et ça sortait tout seul. Ou bien quand on crée la bête, on appuie sur le atinim. Puis le lait il sort, c'est pareil, on appuie sur le tout, et puis le rochel il sort, alors ça c'est la peoula de dash. Okay. On va reparler de ça avec la roche, ça c'est l'ilema là. Donc ça c'est le seif vav, shiniotet seif vav, en molelin velilot veshabbat. Donc on n'a pas le droit d'extraire les grains de blé, donc des velilot, c'est-à-dire de leurs épis, pendant le shabbat. Pourquoi? Donc c'est un problème de dash. Et on va voir demain que c'est une machloket rishonim. Est-ce que c'est un issur de Rabbanan ou c'est un issur de Oraita? Pourquoi est-ce que c'est un issur de Rabbanan ou de Oraita? C'est quoi la différence? Le Sharat Sion, il dit que c'est le Sharat Sion Yudalef, il dit que c'est une machloket entre Rashi et Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, il dit que c'est d'Av de Oraita. Ouais, tout. Alors que Rashi, au début de la Suga, il dit Nir'a Kedash. C'est qu'un issur de Rabbanan. Alors pourquoi c'est que Nir'a Kedash? Sur ça, il y a plusieurs explications dans l'infrarouni. Le Graz, le Igletal, il dit la différence c'est le Pshuta, qu'à l'époque du Beit HaMikdash on faisait ça avec des behemoth ou bien avec un Kli, alors que là on le fait avec la main. Comme tu le fais qu'avec la main, donc c'est plus de Oraita, c'est des Rabbanan. Chose qu'on a l'habitude de faire avec un Kli ou une behemoth, c'est de Oraita. Si tu le fais avec le Kli, si tu le fais avec la main, c'est comme un Shinui. C'est pour ça que Rashi dit que c'est que des Rabbanan. Et quoi? Et la Pashtut dans le Tour et dans le Shulchan Aruch, c'est vachement aussi que c'est que des Rabbanan. La preuve, c'est qu'il te dit qu'on n'a pas le droit de faire une Melilot, par contre, Beshinui, ça marche. Si tu penses que c'est de Oraita, comment un Shinui ça marcherait? C'est pas mourir dans un moutard. Et la Vadaï, Pashtut, on va dire que la Melilot, l'Iblon Melilot, c'est uniquement mis des Rabbanan, et grâce à un Shinui, ça va être moutard le fratrila. Dans la relation du Shulchan Aruch, c'est marqué comment? Du Tour, parce que le Shulchan Aruch dit recopie c'est bon, et la Molel Beshinui. Me'at berachem et tzbeotav. Alors, c'est quoi la traduction littérale? Il est molel, ça veut dire il fait extraire. Beshinoui, donc, avec un chinoui, pas chaud. Me'at, c'est quoi me'at? Le mot me'at, après, qu'est-ce qui est marqué berachem et tzbeotav? Rachem et tzbeotav, c'est avec le bout de ses doigts. Ah, c'est pas comme ça? Ça, kolchegen. Mais même comme ça. La Gemara, elle enlève plusieurs déotes. Les deux phalanges, il y a Abaye, Rava, et il y a, je sais plus, le troisième Amora. Un, il dit qu'il faut faire avec les deux phalanges. En soi, c'est pour récupérer la graine. Ouais. De l'écorce, c'est ça la graine. Non. De quelle écorce aussi on parle? On va voir, est-ce que c'est la grosse écorce ou la petite écorce? On va voir. Donc, si c'est la... On va entrer dans le détail petit à petit. Alors, en tout cas, l'agma, elle dit, première DA, c'est un doigt sur l'autre. Ça, c'est l'imlol, melilot, béchinou, berachet, zbootab. C'est l'imlol, melilot, normalement, c'est faire comme ça avec les deux mains. Ah, c'est le tout le haut. Le dos, on va être encore une fois, c'est avec le cli ou la BMA. Le dérabanan, c'est avec les deux mains pleines. Ça, d'après Rashi, c'est dérabanan. Ok, et on va dire que le tour et le Shulchan Aruch, ils pensent comme ça. Parce que tu l'as fait avec la main et non pas avec le cli et la BMA. Mais c'est encore dérabanan, tu n'as pas fait encore de chinouille suffisant. C'est-à-dire, tu as fait un seul chinouille pour descendre de l'Oraïda à dérabanan. C'est pas un petit chinouille, c'est un chinouille normal quoi. C'est un chinouille. Ouais. La Gemara, elle dit comment tu vas permettre maintenant. Chinouille, un chinouille nosaf. Quel est le chinouille nosaf? La Gemara, elle dit Berachet Zbotav. Qu'est-ce que c'est Berachet Zbotav? Alors, il y a une Da qui dit comme ça.
Une deuxième idée qui dit le pouce sur les quatre doigts. Et la halakha, la baskana, c'est que tu peux faire les quatre doigts sur les quatre doigts avant le berachet zbotav, la partie de devant. Ah, pas toute la main, mais pas juste toute la main. Ok, ça c'est le shinoui. Toute la main, c'est plus facile parce qu'on attrape mieux. Alors quand tu fais comme ça, ça tu vas être plus stressé, on va dire, ça peut tomber plus. C'est une coula par rapport aux autres. Ouais, c'est une coula, mais non, c'est une coula. Ça veut dire. Abayé, lui, ouais. il est marqué, il faut d'avka comme ça, les deux. Un par un, ou deux par deux. L'autre, tu peux en faire plus, mais l'autre, tu peux en faire, on va dire, une vingtaine. À Icar, c'est que c'est Berachet, c'est bon. Maintenant, où est-ce qu'il rentre le mot Me'at? Regardez dans la chaîne du tour. Et la molel, Bechinoui, Me'at, Berachet, et Zbeotav. Alors, le Ben Ishraï, il y a une marque, donc le Ben Ishraï et le Mishnah Brura. Est-ce que le mot Me'at, ça revient sur le terme de Shinoui, ou bien ça revient sur la quantité? Le Ben Ishraï te dit, Bechinoui, Me'at. Il faut se dire tout ça d'entrée. Mais chez nous, il met hâte, Berachet Zbeota. C'est-à-dire, tu vas faire le deuxième chinouille dont on parle. C'est un petit chinouille. Le chinouille en lui-même qu'on fait, Berachet Zbeota, il s'appelle un chinouille mouad. Mais c'est pas dans la quantité. C'est pas dans la quantité. Ça veut dire, d'après Ben Ishraï, tu peux prendre 3 kilos ici. Ok ? Alors que le Mishnah Brura n'explique pas comme ça. Il ramène le Olat Shabbat qui dit que c'est deux choses différentes. Chinouille, virgule, met hâte, c'est en parenthèse. Mehat, c'est par rapport à la quantité. C'est-à-dire, d'après le Mishnah Brura, c'est un peu d'orphan que le Lachon. Il faut dire, et la molel bechinouille, c'est-à-dire berachet, etc. Et à part ça, il y a le problème de quantité de mehat. Qu'il ne faut pas faire 3 kilos, mais qu'il faut faire un petit peu. Mais dans le Lachon, c'est d'Arouk, quoi. Dans le Lachon, c'est d'Arouk. Alors, on va expliquer comment ça rentre dans le Lachon. Bon, en tout cas, c'est quoi la svara déjà de dire que mehat, c'est par rapport à la quantité? Alors, il ramène la Gemara dans Shabbat, la Fouf Kafre, qui est avec le Fanny, qui dit là-bas, Chachamim Omrim. Molel berachet et zvota, ou vilvad mehat, ou vilvad shelo yaase que derrière shelo se bechol. Et là-bas, je crois que c'est un problème de ouvadin bechol. Quelqu'un qui va prendre 3 kilos au bout de ses doigts pour faire la melila avec chinouille, c'est zilzul de. Les mains ont dit, celui-là il est en train de se préparer. C'est impossible qu'il soit allé à l'alta. Ah, c'est ça, les gens ils vont croire que c'est. Bien que lui il est mis quand même dans l'alta, ah ben, le fait qu'il prend une grande quantité. Les gens, ils vont dire un soupçon, ils vont dire c'est un zilzou de soupçon. Regarde, le fil rouge, avec Moradi. Trafami Momri, Molel Berachet Zvota, Veoche, ou Vilvad, Shelo Imlol, Beyado, Arbe, que derrière, Shelo Sebechon. C'est clair, là, c'est clair. Il dit que le tour, c'est à ça qu'il est mis de Kevin. Pourquoi il n'a pas expliqué comme ça? Seulement, comme on a dit, le Ben Ishraï, il s'en vient dans le monde. Mais chez nous, il met hâte, Berachet Zvota. Alors, d'après le tour, d'après le Mishamro et les autres, hein? Ouais, pourquoi elle était machinée de ce prat? Oui, donc qu'est-ce qu'il fait avec la Gemara? D'accord, il s'est dit comment tu rentres ça dans le tour? Ah, peut-être! Le Ben Ishraï, il va te dire. Il dit mieux le cocher à la chaune que le cocher à l'ignan. Ah, il va te dire, ouais, ça c'est un. Et puis deuxièmement, il va te dire le fait que quoi? Que de faire un petit peu. Il te dit le tour, il n'a pas parlé de ce prat ici. Ah, où est-ce qu'il en a parlé? Je sais pas, dans les dinim de Ouvadin Dechol, c'est un din qui est, on va dire, Klali, pas forcément qu'il l'a ramené ici le tour. Ah, ben, en tout cas, de dire que Mehat est dans la quantité dit Ben Ishraï, ça marche pas. Dit le Lachon, mais chinois il met hâte, le Lachon, je crois que c'est une seule chose. Ah, peut-être qu'il savait d'arrêt à tour, mais il n'est pas posé comme ça à la fin. Ça, je crois qu'il est dans son livre, mais je crois que c'est comme ça. Il est posé comme ça, hein, c'est tout. C'est tout, le Shulchan Aruch, parce que c'est. Mais lui, il va dire que en réalité, ça sourd, on le sait ça d'autres livres. Justement. Voilà. Alors, dans le Ben Ishraï, justement, c'est ce qu'il demande. Dans le Ben Ishraï, c'est pas marqué cette histoire de petite ou grande vachement, même une grande quantité. Non, mais ça, dans les rôles, on saura que ce qu'on te permet toujours une petite quantité. On ne te permet jamais de faire de 100 kilos de trucs. Ça, tu peux le dire, Benat, à tour, vachement, enfin, non. Le problème, c'est que dans le Ben Ishraï lui-même, si je ne me trompe pas, il dit qu'il a fait une grande quantité. Ah, même grand... En tout cas, il n'est pas masqué, ce prat. Si il est pas masqué, oui, c'est ça, si il est pas masqué, c'est pas une raya que c'est mouta, une grande quantité. Il faut revoir s'il permet Béfirouche une grande quantité ou pas. Ça, il faut revoir dans le Ben Ishraï. En tout cas, lui, il te dit Béchinou, il meat, Berachet, Zbotav. Il te dit si le mot meat imita que meat, ça revient sur la quantité, on aurait dû dire comment. Et la molel Béchinou, il Berachet, Zbotav ou meat. Bah ouais. Alors que le Béchinou, il dit pas comme ça. Ouais, dans le tour, pardon, le tour, il dit pas comme ça. Moi, je crois que le meat, ça revient sur le Hetzem Béchinou. Alors que le Béchinou, comment il va expliquer? Il faut dire, et la molel Béchinou, il. Hein? Première condition, Béchinoui. C'est Mishnah Brura. C'est Mishnah Brura. Comment il va lire le Mishnah Brura? Et la molel Béchinoui. Hein? Encore, comment il faut lire depuis le Mishnah Brura? Je comprends comme ça. Molel Béchinoui, premier point. Deuxièmement, Mehat, virgule. Point. Et maintenant, après, il te dit, sache que le Chinoui que j'ai dit au début, c'est Barachet Zvota. C'est un peu ça. Molel Béchinoui, Mehat.
Mais sache que quoi que c'est un rachet de Sbaota. C'est un peu normal. Si tu as parlé du Shinori Tarmin avec le rachet de Sbaota. C'est hyper bizarre. Tu prends qu'il y a la moelle du Shinori. Mais Shinomiya, c'est-à-dire comme il est juste proposé comme ça, je pense que Miyad, c'est pas pour le. Non, parce que sinon, tu aurais dû que le Miyad, s'il avait marqué d'abord Rachel Zbeotav, il revient sur Davka le Rachel Zbeotav. Aujourd'hui, il y a la molèle Miyad, Béchinou, il va Rachel Zbeotav. C'est mieux ça. Molèle Miyad, on comprend que c'est la quantité. Béchinou, il va Rachel Zbeotav. Ouais, c'est ça. Ça va tenir. Bon, ça, c'est le Vicoire. Tout le monde était d'accord avec le. Avec le. Tu vois. Oui, d'ailleurs, c'est le Ben Shrine. Ouais. Donc, ça, c'est le Seif Vav. Dans le Seif Zayn, on va le continuer parce que dans le Bet Yosef, il est fait ensemble. Donc, on est clair maintenant. Déjà, je vais rajouter quand même un prat parce que c'est une bonne Agdara pour tout ce qu'on va voir dans les trottes horaires d'Ash, Shikav, Shikav Alef, de dire qu'il y a une différence entre les deux clipotes. Dans le, on va dire, dans la noix, il y a la clipa Yeruka, il y a la clipa Kasha et la clipa Daka. Ok. Alors, ce qu'il en sort, le Rav Moshe Levi, comme ça, il ramène ce Yigletal, ce Shvitat Shabbat, c'est un fournier. Et à le piser, on va comprendre tout le malheur du tour du Darke Moshe sur lequel le Rabbi Akiva Ega et Makshe. On va voir ça dans la suite. Ah, on l'a vu avant. Alors, je vais en parler. On va comprendre la saga sur laquelle le Rabbi Akiva Ega, le Fumegadim, ils sont restés Betsarifiyot sur le Darke Moshe. De dire comme ça que les trois clipotes, il y a la clipa Yeruka Kasha, la marron, et puis la Daka qu'on a l'habitude de manger. Ça s'appelle une clipa. Quoi, c'est le truc qui est collé. Comme dans les amandes, il y a la clipa Yeruka qu'on ne connaît pas. Il y a l'écorce marron qu'on ne connaît pas trop non plus aussi. Mais il y a aussi la petite clipa Daka, que si tu le mets dans l'eau, ça part. Okay. Et l'amande en elle-même, elle est blanche. Elle n'est pas marron. Oui. Donc il y a trois clipas. Alors on te dit comme ça. Le Yigleta, il dit qu'il y a une différence. Quand est-ce que ça s'appelle Daash par rapport à laquelle des clipotes, ce qu'on fait dans le Sadé, c'est ce qu'on a l'habitude d'enlever dans le Sadé. Par exemple, la clipa tiroukote de l'avant et de là et du égos, où est-ce qu'on l'enlève ? Dans le sadé. Alors ces clipotes là, comme ça s'appelle Melechet Sadé, ça s'appelle Dash. En fait, il y a l'écorce ou les bouches. Ouais. On va rester avec Yeruka, Kasha et Dakar. Alors on dit, la Yeruka, ça se fait Basadé. D'accord ? Donc là c'est Dash. Par contre, la Kasha. On va rester dans les gosses. Le marron. Ouais, parce que l'amande, on va voir que c'est différent. Et on va tout comprendre, en fait, tout va être clair. La clipa marron, comme ça s'enlève à table, tu reçois à table et puis tu les ouvres à table. Ah, alors ça ne s'appelle pas Dash, ça s'appelle Kvar Borer, comme la clipa de l'orange, de la pomme, etc. Je m'appris. Derech Achila. Ce qu'on a l'habitude de faire dans le Sadé s'appelle Derech Melacha et c'est Dash. Ce qu'on a l'habitude de faire, Babaït, Bachoukhan, ça s'appelle Derech Achila, et ça s'appelle plus Dash, ça s'appelle Borer. Kol Sheken Naklipa Daka, que quoi ? Que Savada et pas Dash. Oh, parce que c'est. Est-ce que ça s'appelle Borer ? Non, ça veut quoi ? De l'enlever. Si on n'aime pas ça ? Ouais, je veux manger moi la noix à l'intérieur. Est-ce que ça s'appelle Borer ou ça s'appelle pas Borer ? Non, c'est pas Jomar, c'est pas Jomar la prise là. J'enlève l'obsolète. Voilà, donc non, c'est ce que c'est d'une dorée. C'est collé au fruit, c'est derrière le fruit là. Mais tu la manges pas ça. Mais le fait maintenant que je l'enlève, et ça prouve que je le veux pas. Ça te dérange. Oui. Mais t'as le droit de faire ça. C'est obsolète. Non, ça dépend en fait, c'est le derrière ou pas. Non, ça aussi, on va voir et on va voir. Ça, si c'est pas encore. Mais en fait, on voit qu'il y a un peu de styra dans la fournie. Mais la fournie, ils te disent comme on a l'habitude de le manger, mais derrière que là. C'est pas obsolète. Alors, ça ne s'appelle pas obsolète, c'est que ma frite, ochel, mon ochel. Même si moi, maintenant, je ne le veux pas. Roba Ola, pour eux, ça se mange avec. Mais la preuve, c'est que j'ai du riz, des pois chiches, ou des petits pois, peu importe. Et moi, le riz, ça se mange. Tout le monde mange le riz. Ouais. Et moi, je suis tout seul, je n'ai pas envie d'enlever le riz et le mettre de côté. Okay. Pourtant, c'est du ochel. Alors, c'est quoi le chicken, ça aussi. Parce que là, en plus, comme il a. C'est le sirop des deux, en fait. Elle est battelle par rapport à la noix. C'est complètement autre. Ah, c'est pas possible. C'est pas ça parce que c'est Shte Ochel. C'est Shte Ochel Beminechad, c'est ce qu'il veut dire. C'est que ma frite Ochel, Ochel, à Kol Nershav Minechad. Puisqu'on a l'habitude de manger la clipa Daka avec la noix. Okay. Donc c'est Beminechad, et bon, même si tu l'enlèves, c'est pas grave. C'est que ma frite Ochel, Ochel, à Kol Nershav Minechad. Pas des Shte Ochel. Ok. Maintenant, d'après ça, vous allez me dire, vous, je reçois des amandes. La clipa Yeruka, c'est Dash ou c'est Borel? Yeruka, Yeruka c'est Dash. C'est Dash. Ouais, c'est dans le Sadé. La clipa Etzit, la clipa marron. Non, pourquoi ? Non, on prend des amandes vertes. Il y en a, tiens, c'est pas
Non, c'est juste tu comprends le marron, le marron tu peux faire. Le kiff, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on les ramenait, il y avait deux sortes, soit il y avait déjà celle couchée, ou soit on s'est trempé dans le sel. Sinon, en dessert, on prenait carrément les degrés. Mais c'est les marrons, je pense, c'est pas le vert. Non, les verts. Alors, tu enlevais le marron, tu enlevais la verre. On l'ouvrait, après on avait la menthe. Non, pas du tout, c'est vraiment c'est la marron. Parce que c'est trois clipotes. T'as la verte, t'as le marron, d'après ce qu'il dit, moi je connais pas ça. T'as le marron vert. La verte, c'est la dernière, la plus grosse. Non, il y a le marron. Mais il y a un marron entre les deux. Entre les deux, il y a le marron. Il y a toujours marron sur tout. Non, c'est pas le marron qui repousse. Il y a une clipasse sur le marron. Qui est sur la verte. Ouais. Non, sous la verte. Sous la verte. Oui, mais quand on casse la verte, on casse. Tu casses les deux en même temps. Ça aussi, c'est important de retenir ce qu'il dit là. On va voir dans le rabbin, il dit Tov la harmonie de casser les deux en même temps. On va expliquer comme ça. En tout cas, on va souvent le rov, d'après les Gletal, on va sur rov à Ola. Comme en général, sur le marché, la clipa Iroka, ça ne se vend pas. Dans le marché. Ouais, c'est vraiment tout. Donc c'est Dash. Mais c'est pas sûr de faire ça. C'est Dash comme moi, c'est Doré. Non, pendant Shabbat. Pendant Shabbat, c'est Doré. Arrêtez, allez. Arrêtez, ça y est. Il n'y a pas une famille tunisienne qui ne fait pas ça. C'est pas possible que tu n'aies pas mis ça chez ton beau-père. Quand ton béni, je l'appelle tout de suite. Et là, tu fais avec les chinois, c'est comme moi, les lignes, mais les dents. Mais comment est-ce que tu fais avec les dents? C'est un chinois, avec les dents, c'est un chinois. C'est avec mon casse-moi. J'appelle tout de suite tonton Béni qui n'a jamais mis ça. On va arriver deux secondes. Maintenant, on comprend déjà le mal du Gleta. Il te dit si Rob à Olam, c'est de ne pas le vendre comme ça sur le marché, ça s'appelle Dash, et donc tu n'as pas le droit d'ouvrir si ce n'est Béchinoui. Je vais rajouter un autre état, peut-être, c'est sur ça que vous vous basez. Sur un Chaya Adam et aussi d'autres conseillers. Ah, probablement. Que le. Mais faut pas croire, les Tunisiens, ils savaient tout ça avant eux. Le bon Lévin, Melilot, quand il te dit Béchinoui, c'est si tu vas en faire plusieurs, tu vas en casser 3 ou 4 ou 5, alors là, ils font un Chinoui. Ah. Mais si tu en ouvres une et tu manges, alors c'est aussi derrière. Ah, c'est la même dandage. Ah non, d'accord. Mais nous, ce qu'on fait, c'est un autre problème. Il y a un casseur. Il y en a plusieurs pour faire un autre. Ah non, voilà. Chez nous, il y avait un. Non, chez nous, il y avait le casseur et les mangeurs. Voilà. Ah, non, non. Non, le casseur il donne. Le casseur il met et on le prenait. Oui, mais tu manges maintenant. Il met dans l'assiette et après tout le monde se sert. Bah, lui il casse, il met et nous on se servait. Donc des fois il peut avoir 4-5 dans l'assiette. Mais ça a toujours été comme ça. C'est pas oui, mais ça s'appelle aussi comme si c'était l'altar. C'est comme moi je prépare pour la souda. Oui, mais le problème de l'altar c'est d'après dans Borère. Dans Dash, c'est la source. C'est plus rapport au Dash que Borère. Oui, mais d'après ce psyche là que vous dites là, d'après ce éther là, c'est que si je casse pour manger maintenant, c'est bon. Si je casse pour manger maintenant, c'est moutarde, d'après ce que vous dites maintenant. Si tu en prends une. Ah, c'est que l'eau la quantité une. Une à une, quoi. Là, c'est pour rare que c'est des restrictions. Là, je suis dans le psyche du Yigletal. Pourquoi je parle de Yigletal? Vous allez voir qu'il y a une petite différence entre le Rav Ovadia et le Rav Moshe Lévi. Comment comprendre cette alarme? Moi, juste comme ça, j'ai une idée. Mais souvent on voit par exemple en fonction des mécomotes, alors on ne tient pas le. Parce que comme c'était là, vous parlez du Rav Aolam. Mais si dans un Makom, c'est le Rav du Makom. Ah, il y a fait, ça se trouve, en France là-bas ça se vendait un Alpirov d'après celui de l'État, effectivement ça serait moutard. Au marché, ça se vend. Le Rav des amandes dans le monde, il se fait pas avec les. Non, pas dans le monde. Non, l'endroit. Il y a des mécomotes où ça se vend comme ça. Non mais c'est mute, bien sûr. Bataille même en France, ceux non, qui c'est vendent. Sûr, c'est sûr que ce soit mute, parce que mais souvent, par exemple avec le cas de Kader Hamid, on dit, là-bas on appelle, c'est comme ça. Bien que l'Europe du monde appelle Hamid. Parce que ça va comme ça, mais là-bas, dans ce Makom, ils ont tous l'habitude de faire comme ça. Voilà, c'est ça le rhume. Toi, tu es au marché de Sarcelles, ils ont l'habitude de quelques familles. Non, c'est... Ils vendent ça aussi. Voilà. Le Rav, c'est la personne ne peut pas amener ses origines avec elle. Quoi, là, ouais. Mais non, c'est l'endroit. Le Rav, par rapport à la CLST, par exemple, les cacahuètes qu'ils vendent avec les. Attends, une seconde. Il ne peut pas l'enlever, il ne peut pas acheter la cacahuète entière, il faut qu'il. Une seconde. C'est le kiff. L'Igletta, c'est vrai. En plus, c'est Michou. Ça se vend pas. Ouais, la Rav. Non, très peu, mais c'est mieux ou quoi. Avec la clipette, je pense que c'est aussi ça, là, c'est là. Maintenant, donc ça c'est les glétales, ils te disent, ce qu'on a l'habitude de faire passer de comme la clipa Yeruka, c'est un problème de Dash. Et donc, Dash, on rentre déjà dans des problèmes. Alors que la clipa Kasha, la Khuma et la Kaka, c'est, ça se fait à table, donc c'est Mitzat Borer, et donc c'est plus K. Ok. Dans Borer, d'après tout le monde, il y a l'altar, alors que dans Dash, c'est pas tout le monde.
on va voir que le Rav Ovadia aussi, il est médecin de dire que même dans Dash, il y a les Alta, même plusieurs. On va, deux secondes, il arrête là. La page toute du Rav des Poskim, dans Dash, les Alta, c'est Asson, donc les Klipa Yeruka, c'est Asson, les Alta, alors que dans Borel, c'est-à-dire la Klipa Khuma et la Daka, c'est Borel, et donc il y a le Ether de les Alta. Okay, quand on passe maintenant donc à la Klipa, au Klipot de l'amande, tu as la Klipa Yeruka, la Etzit, la marron, et puis la Klipa Daka. Donc, les fois, c'est la même chose au parlement noir. La clipa Yeruka, c'est Dash, Barou. La clipa Etzit, aussi, ça se fait en général. Ça, quand on vend des amandes aujourd'hui, c'est du coup la fille. C'est pas comme les noix. Okay. Ouais. Donc, d'après ça, même par ça rapport aussi à la noix, même la clipa Khuma, il faut être marqué. Barou. D'après ça, les bottinines, les cacahuètes. Avec le 8, là. Ça, on le mange, on reçoit comme ça. C'est pas ça. Ouais, encore une fois. Non, mais c'est pas ça, c'est ça. Mais c'est pas ça, c'est ça. Je crois que c'est. Où est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que le rove, alors ça dépend. Tu vas, il y a 30 ans, peut-être en France, ça se vendait que comme ça avec le 8, là. Tu ouvrais toi. Mais aujourd'hui, tu vas en Israël. Le rove, ça, c'est pas comme ça. Ça se vend calou. Bah bon. Donc, d'après ça, d'après ce mal-là, quand, c'est que, quand tu le reçois dans le 8, babaï, t'as sourd de faire sans problème de dash. Bon. J'ai vu ça. J'ai vu Rav Osler, c'est un peu possible. Rav Ovadia, il dit que c'est un peu permis, non? Rav Ovadia, lui, il dit un peu différent. Lui il dit, si on a l'habitude de le faire uniquement en bassadé, lui il va pas suivre en robe ou pas en robe. Ah, voilà. C'est différent tout ça. Voilà, c'est pour ça que j'expliquais. C'est pas comme le Igletal. Oui, le dit, il dit. Alors, je sais pas si le Rav Ovadia explique ça de date et Igletal ou pas. En tout cas, le Rav Ovadia, dans sa poscana, c'est de dire, si ça vient aussi comme ça, babaït, alors tu as le droit d'ouvrir, c'est pas un problème de date, c'est un problème de. Donc il suffit quand il dit, lui, s'il y a des quatre vendeurs qui vendent ça aussi. Même si c'est le rove, on sent que d'après Ravadia, c'est. C'est bon, ouais. Non, ça c'est dans la menthe. Mais dans la noix, je ne sais pas si ça se vend des noix avec la clipa Yeruka. C'est dans la noix. Non, même non, le rove, non, va dire, non, il va être d'accord. Dans la menthe, je suis d'accord, ça se vend pour. Ça se vend un petit peu. Bachouk. Donc d'après Ravadia, c'est pas un problème de dash. J'ai jamais vu les noix avec son clipa Yeruka. Pourquoi pour rire, c'est pour arriver aux fruits. Il y a plus de problème. Non, il n'y a aucun problème de faire ça. Bah, c'est comme la clipa de l'ombre, c'est un problème de boire, c'est pour des éthéries. Cette clipa que tu auras pour arriver au frère, certes, tu parles de faire ça, peut-être que Calaf une orange de la France Man, c'est rien. Donc c'est qu'un problème de. Donc d'après on va dire, les noix, on va dire pas les noix, les amandes et les cacahuètes aussi, c'est qu'un problème de borère, pas comme on aura mangé les noix, ok? Alors que la noix, là il va être d'accord par rapport à la clipa Yeruka que c'est un problème de. C'est bien sûr, parce que c'est en face sur le marché. Uniquement, c'est. La clipa Yeruka de la noix. Il n'y a pas de clipa Yeruka dans la noix. Si non, tu ne la vois pas, c'est dans la salle qu'on l'enlève. Ah, oui, c'est ce qu'il dit. On est d'accord que il n'y a que le marron, il y a une clipa qui recouvre le noir. Moi, je ne sais pas, je viens d'apprendre. Ouais, j'ai compris. Les amandes déjà épluchées, ok, c'est industriel, on en a toute l'année. Mais ceux-là, dans la peau verte, c'est saisonnier. Donc, quand on joue au marché, tous les marchands de légumes en proposent. Donc, dans ce cas, tu veux être dans la. Manière chabrol, il te dit c'est par rapport à la quantité vendue, comme ça, pas par rapport au nombre de vendus. D'où je vais savoir, on sait. Tu regardes, Bachouk. Mais tous les marchands ils en proposent. Tous les marchands ils en proposent chacun 2 kilos, alors que les trucs industriels ils en vendent 4 tonnes. Tachlès, qu'est-ce qui est le plus vendu par les gens? Qu'est-ce qui est le plus acheté par rapport à ça? C'est une question de fédéralisme. Non, mais c'est pas une fédéralisme, mais on s'en fout. Peu importe, par exemple, toute l'année. Les gens, par exemple, ils font des gâteaux. Ouais. Donc, ils ne viennent pas se casser la tête à bûcher, donc ils vont acheter. Voilà. Donc, industriellement, c'est normal qu'il y ait toutes les. Eh bien, justement, c'est ça le pchat. Le fait que ce soit industriel, ça prouve qu'aux yeux des gens, d'enlever la clipa éthique, ça prouve que c'est pas, ça ne concerne pas ouais. Moi. C'est les commerçants qui font ça. C'est dans le SAD qu'on. Igoufa, c'est ça, il y a notre net. Ok. Donc, on est d'accord, 9 cabinets entre Ravadia et Laurent Moshe Lévy, le 8 de la cacahuète. Ça, c'est moutarde. Après le Ravodia, c'est que Borer, c'est pas Dash. Après le Moshe Lévy, c'est Dash. Et pareil aussi pour la Klipa, des amandes, on va dire. Ok. Ouais, la verre, ouais. Et pour les noix, même la verre, ce sera Dash, d'après tout le monde. D'accord. Ok, donc maintenant, la Klipa à Dakar, ça d'après tout le monde, ouais. C'est Badaï, pas Dash. C'est, au pire, ce serait un problème de Borer. Mais on a dit que c'est même pas Borer. C'est Vinirad, mais Vinirad. Alors, avant de commencer l'histoire du Beth Yosef, regardez sur la page Taf Kaf Dalet, la page d'avant, de droite. Dans le Darke Moshe Aleph, vous l'avez avec Katav Maharid. Ouais, Katav Maharid. Katav Maharid, dis la clipa à Yeruka, tu l'as Darke Moshe à droite. Aleph, pardon.
que ta mari dé, la clipa héros caché, la clipa ritsona. Adain a l'appris. Assour l'itella, on n'a pas le droit d'enlever. Bishoum de avait. Le farek. Le farek, c'est quoi le farek? C'est la tolada de Dash. Ok? Donc c'est cachot avec Dash. Donc là, le Dorke Moshe est interdit sur la clipa. Aïe Moukab, d'accord? Vaïe de Kaval, Bédine, Molévi, Deilot, qu'on va plus détailler. Maintenant, regardez en bas la Ehara, Kaf. Vous l'avez, Agaot Vetsini, Agaot Veharot, Kaf. Béchel Abraham, vous l'avez? C'est Kaf. C'est fait d'un Aleph. Tama, il s'est étonné. De quel clipa il parle lui? Il parle de la clipa à Khouma. Khouma? Ouais, parce qu'il est d'accord avec les clipa Yeruka, c'est marqué. Vélo avec mes farek. Des Maïchna, regardez ce qu'il demande en bas. Maïchna, clipa Yeruka, Mehetz, chez Alav, Oil, Venit, Kassabo. Donc il demande le prix, le Echel Abraham, c'est le prix Megadim. Il dit le prix Megadim. Quelle différence entre la clipa Yeruka? De la clipa etzit, la chouma. Si celle-là, toi, tu dis d'Arki Moshe que c'est Nefarek, pareil aussi, la clipa etzit, la chouma, c'est aussi Nefarek. Et donc, c'est la couchette du prix de Gazi. Mais t'as répondu maintenant. Ah, deux ans. Ayan Cham, d'accord. Agaot, Rabbi Kiveger, les Choukhanaon, c'est Ivav, lui aussi, il a ramené ça, ok. Et regardez après le Igletal, le fameux Igletal, ou Igletal, mais le Reddash, c'est Ife, c'est le Kadam de l'Ef, Kadam, on le reçoit comme ça à la maison. Très très beau. Ok, donc ça, ça c'est important pour tout le. Pour ça, ce qu'il y a du Saïf Vav, Saïf Zahin. Oui, c'est ce qu'on a dit en Balbé. Ça c'était là, justement le Isho. Pourquoi tu disais pour cette question? Il est allé. Casser la montre comme ça, comme c'est des Rafibav, c'est pas Nikolash. C'est que Borer, c'est plus qu'un. Nascana, la fille de l'État, je peux faire ça. Laquelle? La Klipa Khouma, pas la Yeruka. La Yeruka, on est d'accord que c'est Assur. Parce que je vais les godes, parce que ça se fait bassader. C'est pas le derrière Fakhila. Le derrière Fakhila, c'est d'après. C'est la dure après la verte. Voilà, exactement. Non, mais peut-être que. La verte, la marron et la fille. Peut-être que la question pour le Echel Avram et Rabbi Akiva Eger, c'est qu'à l'époque aussi, la marron, ça faisait, on ne recevait pas ça à la maison. Non? Et peut-être qu'il a dit que maintenant on reçoit ça, donc il n'y a plus de questions. C'est pas mis la perte de dire des cartes que c'est. L'aéroca, ça se fait pas, c'est vraiment dur à que ça se fait. Dans l'aéroca, oui, mais la question, c'est sur la marron. Ah, la marron, c'est la marron. On n'a pas vu le Mouscar des Choumakor, que c'était ça la raison du Echel Avram. Déjà, c'est Marc Roquette dans la Bitsiout qui a changé. Entre le Dark et Moshe. Ah, juste. Dark et Moshe, il a dit que c'est moutard. Le premier Gazim, 200 ans après, il a dit que c'est assaut. Et le Gletal, il a dit que c'est moutard. Quoi. Putain, mais il y a eu un changement comme ça. On voit que c'est le derrière comme ça. Ça se vend pas. Mais d'après le Dark Moshe, alors il devait interdire aussi les pistaches. Hein? Parce que les pistaches, ça se vend pas qu'à l'ouf. L'Europe, ça se vend avec les clipas. Je pense que les robes, ça se vend sans la clipa. Non, pas du tout. Ah, mais non, bien sûr, non. Tu crois que. Parce que toi, si tu achètes 200 grammes avant Shabbat, non, toi, mais si tu prends les pistaches qui vont dans l'industrie, qui sont avec les gâteaux, qui sont. Ah, pas les gâteaux. Les gâteaux, c'est pas pour manger, c'est pour être fait pour accompagner. Je veux dire aussi, il y a les poudres d'avant, mais toi, regarde pas, c'est super. Regarde les fruits, bon répériaïe, ce que tu vas manger, mais finalement, pas dans du jus et dans de la poudre et dans le. C'est comme si les pépites, il y en a qui vendent aussi sans rien du tout, que le grain intérieur. Mais tout le kiff, c'est avec la peau. Et le robe de Rolam, ils vendent avec la peau. Je crois qu'on est hors monde en fait. Quoi, tu manges quoi? Tu reçois une pépite comme ça sans la peau? Mais les pistaches, je ne sais pas, nous on les mangeait comme en disant. Donc c'était sûr que c'était sans la peau. Ah, comme ça, tu reçois comme ça? Mais tout je le kiff, c'est. Dans un sac avec les noix, les pistaches, c'était. Oui, mais c'était. Mais qui c'est qui préparait ça? Mais qui c'est qui préparait ça? Ah, c'est acheté, j'ai déjà fait. Ah, t'as acheté le sac prêt? Le sac tout. Okay. Ouais, mais tout le kiff c'est tout vraiment ça, mais le ravalage c'est voilà. D'accord, aujourd'hui c'est ça, mais en soi, la chose est aussi probable. C'est flemmardise, comme tu dis, flemmard. Non, là c'est pas flemmardise, c'est pratique. Non, mais ravalage c'est comme ça, aujourd'hui. Alors maintenant, on a essayé de répondre à la question du. Qu'est-ce que okay. C'est quoi la svara du prix Megadim et du Rabbi Kiveger? C'est une svara pshuta qui dit le Igleta. Alors on a vu Behemet que le prix Megadim Atzmo, ouais, le prix Megadim Atzmo, dans le titre de Limnol Menilot, ouais, il dit un grand Yesod qui a le pisé, on va comprendre Behemet la coucha du prix Megadim. Pour comprendre en fait c'est quoi le Marnaquet. On va voir dans la suite des garinim là-bas de Chita. On dit qu'on n'a pas le droit de les enlever du Shabbat, c'est-à-dire de l'épi. Mais une fois que si ça a été enlevé la veille du Shabbat, on a le droit d'être kolef.
on a le droit d'enlever la clipa d'Aka qui se trouve autour de la frita. Ah, c'est en fait, c'est chichi, quoi. On enlève ça, après il y a une clipa qui recouvre. Autour de chaque grain. Je l'ai jamais vu, mais comme ça, c'est marqué dans la mosquée. Mais est-ce qu'il y en a de ça, c'est genre le Shabbat, la farce, mais là, je pense qu'il y a ça. C'est Khaya. Ah bon, je parle de ça, tu as raison. Le Rav Ovadia, il ramène dans une ahara, une petite ahara. Il dit, sachez que le Rajba et le Smag et le Smag et tout, qui disent que même Dash, l'altar, c'est Mouta. Ok ? Entendu ce que j'ai dit là ? C'est incroyable. Alors bon, et là-bas, c'est pas, il n'a pas fait de ça une halakha, il a marqué derrière sa gaffe dans une halakha. Alors de dire, je sais pas si on peut dire que Dash, on va dire, la quête Dash, sniff, l'altar, sniff. Ou bien Mouta Sniff, ça je peux pas dire, je peux pas... Oui, mais Tu lis comme ça et tu glisses tes riches, je te dis. C'est pareil que le Shabbat. C'est pareil que le Shabbat, ouais. Ça veut dire, appeler ça... Quelqu'un qui va acheter des petits pois, ouais. Un petit pois frais, ça peut être d'âge pour les faire cuire. Voilà, des petits pois dans l'écorce. On les reçoit comme ça à la maison. On les reçoit comme ça à la maison. Pour Pessar surtout. Ouais. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est bidouk le cas de Moïse Benilot. C'est bidouk ce cas-là. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir ça? C'est bidouk le dit que quoi? Il faudra faire un chinois. C'est-à-dire tu devras le faire avec la main, pas avec un pli, ok? Et en plus, Berachet Zbaotav. Celui qui veut cuire pendant Yom Tov, il n'a pas préparé. Mais si je joue comme ça, le petit truc, c'est comme ça, tu enlèves la peau et ça tombe. Comment ça, vous avez des petits pois? C'est juste collève, c'est ça? Ouais, c'est collève, c'est, on ne peut pas faire comme ça. Non, mais des choses, c'est que ça vient de collège. C'est que si le petit pois, des fois, il est accroché au filament. Non, il n'y a pas de triche avant quelque chose d'autre. Si c'est juste être collève, ça aussi, on va rentrer dans le détail dans Saïd Vab et Zahid. Si c'est juste être collève, alors ça aussi, c'est mouta. Ça ne rentre pas dans la grave de l'âge. Comment on a dit? Presser le tout pour que ce soit l'âge. Nous, on garde dans les noix, comment on fait ça? Je casse comme ça, avec deux noix, c'est pas chez nous. Comment je dois faire chez nous dans les noix? Dans la marron. Non. Ah, dans la marron, pas de problème de chez nous. Je ne savais même pas qu'il y avait de cupa vert dans les noix, je viens de l'apprendre. Jamais, tu avais déjà vu ça dans le marché? Mon beau-frère, il avait dans son jardin à Paris, il avait des noix gentilles. Au début, comme ça se passe, c'est que la clipa à Iroka, elle entoure toute la clipa. Et après, elle est un peu molle, et plus vous allez dire, au fur et à mesure, ça s'ouvre petit à petit. Et si tu la laisses complètement à la noix, elle va tomber par terre. Et si tu es pressé, dès que ça s'ouvre, tu peux la retirer. Ah. Ça, c'est Dash, mamache. Ça, c'est Dash. C'est dur. Après, la filou pour l'histoire des petits pois, que le roi, quand même, il mange des petits pois déjà pris. Ouais. Voilà, on autorise. C'est pas Dash. Si on reçoit pas, on reçoit comme ça à la maison, c'est plus Mila Khatisadeh. Oui, c'est pas le roi. Voilà, c'est pas les Juifs à Pessah. Ah oui, d'accord, les Juifs. Bah, nous qui sommes marqués pour mettre dire non. Là-bas, le Primegadim, il demande comment ça se fait une fois qu'on a retiré les grains de blé du charvit la veille de Shabbat. D'accord. Et ils sont encore dans leur petite clipa, on va voir dans le Shukrano, dans le Mahan, dans le Moskine. Ils disent qu'on a le droit d'être les Kalef. On a le droit d'être les Kalef. La clipa de la Chita. La clipa de la Kalkeoto. Il demande au Primegadim pourquoi c'est moutard? Pourquoi il n'y a pas de problème de Dash? D'après ce qu'on a dit. Parce qu'on peut comprendre que ça se... Comme ça, on devait qu'un babayit. Mais le prix Megadim, il y a une autre raison à ça. Pour la clipa de Karine. Il dit parce que c'est une clipa qui est trop d'aka et très dvuka la ochel. Donc c'est comme l'amande alors, tout le marron. Ah, c'est bidouk la clipa d'aka, de l'amande, ouais. De la noix, etc. En tout cas, on voit que la gdara du prix Megadim, c'est pas ce qu'il a dit le Igleta, ce qu'on reçoit babayit ou ce qu'on reçoit basé de lui. Il te dit si c'est très davouk ou pas. Dvkamina, la clipa chouma de la noix. Que la clipa c'est pas très d'avouk. Alors c'est pas vraiment Batel ou Ochen. Lui pense que ça sera. Et on prend maintenant la couchette du prix négatif du Rabbi Akiva Eiger. Il demande sur le Dark Kamishé pourquoi tu me dis la Yeruka c'est assaut, mais la Chouma aussi c'est assaut. Pourquoi? Parce que d'après. Il n'y a pas de Vuka. Quand est-ce que c'est Moutard? C'est seulement si c'est hommage d'avouk. Mais si c'est pas d'avouk, alors c'est la même chose. Donc il est sur Metzir Chriot. Viens le Igletal, il dit non, c'est pas ça la Agdara. La vraie définition, la différence c'est pas très d'avouk ou pas. C'est Sadé ou Baït. Donc la Chouma, c'est Baït. Et Rabbi Akiva Eiger, il pense comme le prix Megadim. Le même sera le Rabbi Akiva Eiger. Ouais, parce qu'il le ramène. Ouais. Le Rabbi Akiva Eiger, il ramène. Ok, bon, en tout cas, on a compris la marque. Ok, le prix Megadim et le Igleta.
En tout cas, tout le monde est et Rabbi Akiva, tout le monde aurait pu faire. Ils sont restés avec lui, on le dégueule de Berke Moshe. Même le Rav Ovadia, même le Rav Moshe Lévi, tout le monde. Tout le monde amène ses Gretal. Donc c'est Sadé ou Bayit. Et je ne sais plus maintenant, je ne me rappelle pas, est-ce que le Rav Ovadia, il explique que c'est le Pshat dans les Gretal que de dire quoi, Sadé ou Bayit. Le Rav Moshe Lévi, il te dit, on va suivre le Rav. Rav Sadé, c'est la Sau. Rav Bayit, c'est Mouda. Donc la noix, etc., et la cacahuète, là, avec le 8. C'est Asson. Ouais. Alors que le Rav Ovadia, il te dit non, c'est pas un problème de Rav. C'est le Rav. Un pire Rav et cacahuète, c'est souvent un calouf, en tout cas en Israël. Ah. Okay. Alors que d'après le Rav Ovadia, il te dit non, on regarde pas comme ça, on regarde Benefet Sadé si c'est uniquement Sadé. Comme ça, il faut que ce soit uniquement Sadé. Uniquement Sadé. Mais si on en reçoit aussi dans le 8, ou bien les noix, les amandes, pas les noix, les amandes dans le coupa vert, alors c'est bon. Parce que ça se vend aussi, pas chaud. Même à mi-août. Quoi. Même à mi-août. Comme c'est ça, le rabat-marre et les bécanes aussi. Les cacahuètes, je ne sais même pas si il reste un mute de magasins qui vendent avec le mythe. C'est vrai, mon frère, il va nous ramener la semaine dernière. Il y en a plein. En France, en Israël, parce que le rabat Wozner et le rabat Moshe Lévi te disent en Israël, le matzav aya, c'est que le rabat se vend sans le 8. Ah oui, mais on peut en trouver. Mais est-ce que c'est ça qu'il demande? Eh, d'après, c'est mon gars, si je peux en trouver, c'est moutard. C'est ce qu'il demande, est-ce qu'on en trouve? Quand t'as jamais vu ça en Israël, je crois que j'ai vu ça dans la même chose. Ah, il dit qu'il y en a, bon. Ouais. Et une autre question, alors, et j'ai pas compris comment ils disent, comment Rabbi Akiva Gur, il a pas vu un truc fashion comme ça, parce que comment t'as répondu à ça? Non, t'as dit, il faut être Miyachev, Rabbi Akiva a pris Megadim. Comme le premier game, ils disent. Ah, le Rabbi Dara, eux, c'est de dire, pourquoi il y a pas de problème de Dash, il te dit, quelle est la différence entre la Yeruka et la Khouma? Alors, sauf, c'est Balois à l'intérieur, et il y a l'eau, en fait, dans l'absolète. Quand tu la sépares, c'est Mefarek. Il te dit, quand est-ce qu'il y a pas Mefarek, c'est Dafka dans les pas Daka. C'est Dak. Donc, et tu vois, tu n'arrives pas à distinguer ici le Ophel de l'absolète. Puisque la clipa, en tout cas, elle est tellement dite la béchette, elle s'habille complètement sur le Ophel, que même si tu la retires. Tu la confonds avec l'Ophel, ouais. C'est pas considéré comme le Ophel balois dans l'absolète. Il n'y a pas de balois dans. Et quand il n'y a pas de balois dans, ça ne s'appelle pas d'âge. Ça répond à la question? La question, c'est de dire comment ils n'ont pas vu un truc aussi gros. Réponse, parce que. Ils n'ont pas vu quoi? Ils n'ont pas vu qu'il y a d'âge, c'est pas Sadé, c'est la Gdara du Melara. Savoir ça, et tu crois qu'ils n'ont pas pensé à ça? Non, je pensais que c'était ça ta question. Non, c'est pas ça, mais c'est une très forte question. Ça, c'est pas ça la question. Rabbi Akiva, il a pas pensé à ce rideau, mais il est pas, il est pas d'accord avec ça. Il est pas, c'est pas ça que Dara, Rabbi Akiva. Non, de ce que j'ai compris, c'est de non. Dire qu'il a pas compris. C'est il a pas, pas ça la question. Non, lui, il a des Gdara différentes. Voilà, c'est une autre Gdara. Ils ont une autre Gdara. C'est quoi la Gdara du Rabbi Akiva? J'ai pas compris. Lui, il te dit, il n'y a pas de truc comme ça entre Sadé et Bayit. Dash, quoi, Véhi, il va te dire Dash. Si tu amènes. Un char vite avec des chitim à la maison, ça va être Mouda. Lui, il te dit, c'est pas Sadé ou Bayit, c'est pas ça le couvert. On a vu, Efoyesh Remez Lézé de Sadé et Bayit. Où c'est marqué dans aucun rishonim. Alors que Dash, on a toujours vu dans les Gmarot et tout, c'est les Farek. C'est quoi les Farek? Léoti, Ochel, Ipsolet. Donc lui, il a vu la Gdara de Dash, c'est par rapport à du Ochel qui est Balois dans Dieu, dans Absolet. C'est ça le Icar d'un Nekouda. Et Borer? Borer, c'est pas que c'est Balois. C'est parce que c'est le Rovav. Des morceaux de poulet, des trucs, c'est pour ça qu'on va voir dans les épines de poisson, peut-être c'est plus qu'un. En tout cas, là-bas, c'est pas balois, c'est peut-être tachouv. En tout cas, il n'y a pas une clipa chitsonite avec du ochel à l'intérieur, comme le raisin et le truc. Ça, la Gdara de base, c'est ça. La Gdara pshuta, même d'après le Igletal, il faut que le ochel soit balois dans l'absolète. Seulement, le Igletal est à rajouter, mais ça ne suffit pas. Il faut en plus de ça que ça se fasse basadé ou bababaït. Sur ça, le prime négatif de Rabbi Kivega, il dit on n'a plus vu ce deuxième shlav là, que tu m'as rajouté. Là. Le premier shlav, c'est l'agdara de Dash. Balois, c'est tout. Sadé Bayit, c'est ton invention avec l'étal. Ils sont maximes sur lui. Ils sont pas maximes, ils te disent c'est marqué nulle part. Oui, mais je suis pas d'accord avec ça. Il a le droit de dire. Il a le droit de dire, j'ai compris, c'est Ruto. Ah ben, tu dois amener des bécorotes à ça. Alors, l'étal dit justement, pour ma corps, c'est l'odeur qui est mangée. Alors que le Rabbi Kivega, il te dit on n'a pas vu ça dans aucun rishonim. Pas chou que toute l'agdara, c'est balois l'un dans l'autre. Donc si c'est balois l'un dans l'autre, écoute, on rentre pas dans l'histoire de Bayit Sadeh. Alors c'est quoi alors la différence? Il te dit, il y a 8 différences. Quand c'est balois justement, ou pas balois. Là, Yeruka et la Khouma, ça s'appelle balois. Alors que la Klipa Daka, ça s'appelle pas balois. C'est au contraire. C'est la Klipa Daka, elle est fait là complètement par rapport au Rochel. Là, on comprend que ça s'appelle pas balois. Lui, le Rabbi Kivega, le Kivegadine, il reste avec l'Agdara, balois, pas balois. Sans rentrer dans l'histoire de Sadeh. Il est venu après le Graal, le Rabbi Akiva Iger.
Mais après. Avec les gars, c'était le beau-père, tu vois, c'est le beau-père. Bien qu'ils avaient un an d'écart. Un an d'écart. C'était son beau-père, ouais. Ils avaient un an d'écart. Parce que le beau-père Sofer, en fait, il s'est marié, deuxième mariage avec la fille, aussi qui était deuxième mariage de Rabbi Akiva Yiga. Ah. Et apparemment, il avait beaucoup d'écart avec sa femme, sa deuxième femme. D'ailleurs, tu vois que dans les Birtanim qui s'échangent entre eux, oh, c'est stylé, ils ont l'air d'être amis, quoi, sans brouta, quoi. C'est pas beau-père, il a peur, et tout ça. Il a dit le Roger Jiva dans son show de cette semaine. Que les Sparadim, ils n'ont pas le derrière d'écrire leur mort Khan. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non, parce qu'il dit, il y en a qui disent que l'Ibn Ezra s'est marié avec la fille de Rabbi Yehuda Halevi. Il y en a qui voulaient refuter ça parce qu'on ne voyait pas que Ibn Ezra, quand il s'écrivait avec Rabbi Yehuda, il écrit mort Khan. Il dit non, c'est celui qui dit ça, il y a des que nous les Sparadim, c'est pas le derrière qui ramène des Géonim à l'époque. Qu'ils n'avaient pas l'habitude d'écrire mort Khan. C'est pas le derrière des Sparadim. Alors que les Ashkenazim, je crois, ils ramènent le bar sur l'Otaz, il l'écrit. Ah voilà, il dit le gras là, en air vulgaire, c'est mille, il est né en 1720, alors que le rabbi connaît bien 1762. Et Niftar, quand le gras est Niftar, le rabbi Akiva Yiga, il avait 35 ans. Ah, il a connu bien. Ouais, 35 ans. Ouais. Le Khida, il était à l'époque du gras. Lui, il est Niftar le gras. Il est né en 1720 et le Khida en 1724. C'est vraiment un hommage. Okay. Et les deux, ils n'étaient pas en Kesha. Bon, le Khida, il a fait le tour du monde. Alors que le Noda Bihouda, il est plus jeune encore que le gras. 1713. Ah ouais? Le Bihouda, c'était... Le prix Megadim, je crois qu'il était avant tout cela. Après Megadim, ah non, comme le gras. Ah, même après le gras, 1727. Il était avant avec le gras. Il date de deux, c'est le grand procès, c'est le Dolador. Là, quand même, quand on dit le gras, c'est. Oui, le gras, c'est le. Ouais, bah, on va pas dire le dollar, je sais pas dire. On va dire le procès qu'il khati, c'était le. Le gars, c'était le gars. Le gars, c'est le gars. Bon, une fois qu'on a fait toutes ces actes de mode, parce que c'est important pour le CIV. Alors, je reprends le CIV dans le tour. Et Molénine, Mélilot, le Shabbat, donc on a expliqué. Molénine, Mélilot, c'est-à-dire retirer les grains de blé. De l'épi de blé, donc c'est un problème de Befarek, de Dash. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Molel, Béchinoui, Méat, on a dit des explications, Berachez, Beotam. Donc qu'est-ce que c'est le chinouille? Justement, le chinouille, c'est déjà un, c'est avec la main, le fait que c'est avec la main et pas avec un pli, c'est des Rabanan. Et en plus de ça, tu as fait un chinouille supplémentaire, donc ça devient un être Outa. Ok? Maintenant, le Saïf Zahim, dans le tour. Ayulo, Menilot, Meherev Shabbat. Si maintenant quelqu'un il avait déjà des Menilot. Quand on parle de Menilot, c'est-à-dire les grains de blé qui ont été retirés de l'épi. Donc je n'ai pas rentré. On rentre plus maintenant dans le problème de Dash et de Mefarek. J'ai déjà des grains de blé qui sont en dehors de l'épi de blé. C'est le problème. Et c'est quoi le problème? C'est que tout est mélangé. C'est-à-dire la klipa, elle est mélangée encore avec les chrétiens. Mena Peach, Miyad, Leyad, Veofel. Abba, le Lor, le Canon, c'est pas le problème. Donc là on est juste. Dans un problème de boréa. On a le droit d'être ménapéar, de tout remuer comme ça. Et ça a tombé. Et les grains blés vont retomber alors que les clipotes elles vont partir. Donc là c'est un problème de boréa. Ok. Mais c'est comme ça que vous avez avec le tami, vous jetez comme ça en arrière et ça tombait. On faisait ça avec le zoré, c'est ce qu'on appelle zoré, le mishkan. Zoré, on faisait ça avec un cli, avec une pelle. On envoyait en l'air, le vent il envoyait tout, et puis ça retombait. Ok. C'est vanille. Bané, ça c'est ce qu'on appelle Zoré. Donc là, a priori, le Benapéaf, il faut comprendre comment ça se fait que c'est moutard.
Arrêt, c'est le problème de Zoré, ce qu'on appelle Vané. Alors ça, on va rentrer dans le détail petit à petit. On va voir le Bet-Yosef maintenant. Alors on va voir le Bet-Yosef sur les deux Seifi. Allez, Vav Zayin dans le Bet-Yosef. Edmond Lely, Benida. David. Edmond Lely, je la connais par cœur. Edmond Lely, Benilot, Beshabbat. Et là, mon lèvre, Beferet Kama de Yom Tov, donc c'est dans Betza, Yudbet Amudbet. A mon lèvre, Beninot, Erem Shabbat, donc celui qui, la veille de Shabbat, a été, déjà été mon lèvre, les Mahar, le Peach, Miyad, Leyad. Le lendemain, donc, il a le droit de faire ce Nipouar, le fait justement de vanner, de tzorer, donc, l'absolète du Orel. Le Orel, et donc, il mange. Aval, l'Obekanot, l'Obekanot, de prendre un cli de Brira, pour séparer l'absolète du Ochel, ça va être un souk. Mais Farech, Bagmara et Lagmara l'expliquent. Des Davkan et Erev Shabbat, ce qu'on a permis à propos des Benélinot, c'est justement parce que c'était séparé déjà la veille du Shabbat. Avant des Shabbat, et Molélin, Benélinot. Donc, deux Shabbat, Machma, que quoi, qu'on n'a pas le droit de faire les Benélinot. On parle de sortir. De sortir les grains de blé de l'épi. Okay. Et la page toute pour l'instant de la Gmara dans Betza, c'est Machma que ça assure à filo avec un chinois. Direct. Ça, c'est la Gmara dans Betza. Par contre, le Perek Mefanin Kouf Kafret, Tania, Chavine, Péa, Ezov, de Kournit. Donc, des sortes de quoi? De Péa, Ezov et Kournit, c'est des sortes de plantes. Dans lesquelles aussi, il y a le même problème. C'est des plantes dans lesquelles il y a le Ochel qui se trouve à l'intérieur de sortes d'épis aussi. Alors, quoi? Ichnissan les Etzim. Si tu les as rentrés dans. C'est quoi les Etzim? Pour. En tant que. Pour les utiliser. Bon. Non, les types, c'est pour les utiliser pour le bois, pour faire bedoura, un feu de camp, pour après Shabbat. Donc si tu les as réservés, les types, pour un tashmish qui est assour, tu te dis, en bistapek, même le Shabbat. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser, c'est tout. Okay. Par contre, les ma'achal bema, si tu les as mis de côté, pour donner à manger à ta bête, donc c'est pas bon, c'est. On a le droit de donner à manger à la bête, Shabbat. Alors quoi, mistapek, le Shabbat, même. On a le droit. Pour nous, même de les prendre et de donner à la bête, même pour toi. Okay, c'est pas bon. La suite de la braïta te dit Umolel veochel. On a le droit aussi de quoi? De retirer dans ces PA, Ezov et Kournit là-bas, on a le droit de retirer le bon de l'épi. Ou Vilvad, à condition que quoi? Sheloim lol bekli, d'après Rabbi Yehuda, tu as le droit de faire ça avec la main, même sans chinouille. Aïkar, c'est que tu ne fasses pas avec un cli. Okay. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la chita de Chachamim. Chachamim en brille. Molel, Berachet, Veota, Veochel. Non. Bayad, ça suffit pas. C'est vrai que Bekli, ça assure, mais même Bayad, ça suffit pas. Il faut en plus de ça faire un deuxième chinouille, comme on a dit dans le tour, qu'il faut être Molel, ça, Berachet, Veota, c'est-à-dire avec un deuxième chinouille. Même si c'est pour les. C'est bête. Ouais, parce que c'est un problème de Mefarek. Non, si c'est pour les bêtes, alors quoi? Il faut en grande quantité, c'est problématique. La bête, elle peut le manger comme ça ou pas? Ça, c'est entre parenthèses une marque dans le DAF, dans Shabbat. Est-ce qu'on a une marmoquette? Est-ce qu'on a le droit d'être mitrach beorchla ou shavuya orchla? Pour une bête, je vais lui donner la paille. Okay? Alors, si dans la paille il y a des kotim, il y a des ronces et des machins, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever les ronces, c'est bouddha ou pas? Ça, c'est ce qu'on appelle shavuya orchla. Tu vas le rendre raoui apte à être mangé. Okay? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tu as enlevé toutes tes ronces, mais c'est encore grand. Il y a des petits agneaux et des machins. Tu veux couper ça en petits morceaux. C'est bouddha ou pas? C'est ce qu'on appelle. Se fatiguer dans la rochette, c'est-à-dire c'est mangeable. Ah ben tu veux lui simplifier, tu veux lui couper un petit morceau. Alors est-ce que c'est moutard ou pas? C'est une parfaite caisse en train. Il y a un peu ça brouillé ça. C'est vrai. Ouais. Ça va prendre plus de temps, elle va croquer avec. C'est bête à manger. Alors on dit, c'est une parfaite là-bas entre Ravuna et Rav Yehuda. Un, il te dit, mitra, de se fatiguer, c'est moutard, mais de le rendre apte, c'est la sauce. Et l'autre, il te dit le contraire. La halakha de Maaseh, c'est quoi la halakha de Maaseh? Le Shulchan Aruch, il est posé dans le Siman Shin Kaf Dalet, de dire que Shavuya Ochla, c'est Mouta. Shavuya Ochla, c'est Mouta. Shavuya Ochla, de faire du Ochel. Shin Kaf Dalet. De faire quelque chose, donc
d'enlever les ronces, c'est moutard pendant le Shabbat ou pas, le Shouchanor qui le possède à la fin du Massé, que c'est moutard. Pour que ce soit Raoui à la BMA. Pourquoi c'est moutard? C'est une histoire des Rabanan. Ishoum Tsar chez la BMA, on lui permet d'enlever les ronces. Par contre, s'il y a la paille qui est un grand morceau, tu n'es pas obligé de le couper. Au contraire, si tu le coupes, c'est tirra, yetera, et donc c'est assour, bi, des Rabanan. Ok? Double parenthèse, je pose la question. On a dit donc de faire un ochel d'enlever les ronces, c'est assour. Ça nous rappelle quel le bio halakha dans le siman shin yud chet, maké bapati shbo ochalin. Est-ce qu'il y a un problème de maké bapati shbo ochalin ou pas? Il a refusé, il n'y a pas. Vous vous rappelez, c'est quoi ce problème? Maké bapati shbo ochalin, ça veut dire j'ai rendu quelque chose apte à être mangeable. Loket quoi, mais le bio halakha il n'y a pas. Par exemple, j'ai mis une mana chama, qui n'est pas avant où il a pris, là j'ai mis de l'eau chaude. Enlever les ronces du foin, c'est maké bapati shbo ochalin. C'est ça la question qu'on va demander maintenant. Là, la Gemara, là-bas, elle ne parle pas de Makemapatish, elle parle de Shibuya Orta. Ça s'appelle que, ouais, ça s'appelle, tu as raison, Metaken Mochet, et là-bas, c'est marqué dans la Gemara, donc en euros, c'est marqué que c'est Mouta. Alors qu'en ce qui concerne Makemapatish Bochanil, le Bio Orta, il dit, là-bas, c'est que c'est Mouta. Ça coïncide bien avec ce qu'on est en train de dire maintenant. Alors que là-bas, le prix Megadi et le Benishra, ils sont proscrits, que Yesh Makemapatish Bochanil. Donc la question qui se pose, d'après le prix Megadi et le Benishra, comment ils s'arrosent avec cette morale? Chabouillard, on va leur dire de. C'est Moutard dans le raisin. Alors que là, le prix négatif, le Benishraï, te dit que c'est l'assaut. Réponse. C'est un mec, c'est dangereux là-bas. Là, avant Shabbat. Ou d'autres choses. Alors, le Shlita de Shabbat, il répond à une réponse pshuta. Il dit Maké Bapadish Borchalim, c'est lorsque c'est Bekouf Adava. Par exemple, tu as une viande crue, et tu l'as rendue cuite, que tu as ouvert non seulement Mitzad Michoul, mais même Mitzad Maké Bapadish. Parce que le etzep de la viande, elle est devenue meilleure. Alors que dans la ronce, là-bas, c'est quelque chose d'extérieur. Ah, quand j'ai retiré les ronces, j'ai pas été métaquet. C'est pour ça que même eux, ils vont être d'accord dans ce cas-là, qu'ils vont faire le pâtis. C'est parce que c'était une parenthèse de parenthèse. Okay. Donc, pourquoi on a parlé de ça? On a dit la bête. C'est la bête de on a le droit de donner ça à la BMA, et effectivement, de quoi faire avec, de lui enlever les ronces de ses chavilles et pères, et qu'on dit ça sera plus tard. Par contre, de quoi de couper un petit morceau, d'après le Shulchan Aruch, ça va être assur, ok? En tout cas, qu'est-ce qu'ils disent, Chachamim? Chachamim Omri, Molel Berachet Beotam, il faut un chinouille. Ça rejoint ce qu'il a dit ici, le tour, d'accord? C'est ce qu'on a dit, Bidou. Il a rajouté la fameuse Tosefet, ou Vilvad, à condition que quoi? Chez Loïm Lol Beyado Arbe. Que derrière Chevrolet Bechol, la condition qu'il n'en enlève pas beaucoup. Comme on a dit, le Mehat, que le Bichamoué l'a expliqué. Okay? Donc là, on va expliquer déjà. Piresh Rachid, Bébilté de Rabbi Yehuda, dans les mots de Rabbi Yehuda, Rachid nous dit, et Garcinan, Molel, Veochel, Kouvilvat, Shilo, Ilvat, Bekli, Arbe. Ça, c'est la guirsa de la Gemara de Rachid. Bachat Rabbi Momri, Molel, Berachet, Zbota, Kouvilvat, Shilo, Ilvat, Arbe, derrière Chol. Des rabbanan machmirim, ils sont machmirim chachamim, des bekoul et yadé et assir, de prendre avec toute la main sa sour, et là, berachet et tzvotav. D'accord? C'est seulement, et donc il faut le deuxième chinouille de rachet et tzvotav. Ou maou molel, que gon imba le echol azera, molel la charvitine, cha azera betochal. Qu'est-ce qu'il est molel? Donc c'est le charvit, donc la klipa extérieure. Si on s'arrête là pour l'instant, on a a priori une stira entre Betzar et Shabbat. Pourquoi? Parce que dans la Maseret Betza, on a vu que quoi? Que Béchabat, on n'a pas le droit du tout d'être Molel. Mais on n'a pas parlé de Chinoui dans la Betza d'Afiud Bet. Alors que dans Shabbat Kouf Kafret, on t'a dit que c'est Moutard avec un Chinoui. Ok? Donc là, c'est quoi Charvit? Charvitine, c'est l'épi. Le Charvit. Après la troisième Gemara qui ramène le Bet Yosef. Les Garcinan, mais sauf que Rekama de Yom Tov, d'Afiud Gimel. Donc c'est un daf après celui qu'il a ramené au début du Bet Yosef. Ketzad Molel, comment est-ce qu'on a le droit d'être Molel? Sur ça, c'est la fameuse Machloketa. Bayé, Mishmen de Rav Yosef Amar, Chada, Chada, un doigt sur l'autre. C'est, tu prends le grain, tu prends les piles là et tu rebues comme ça un grain sur l'autre. Ça c'est Abayé. Rav, Avia, Amar, Chada, Tarté. Donc un doigt sur deux doigts. Ou Piresh Rashi, Chada, Chada, Ben Goudal, la Etzba, entre le pouce et l'index. Chada atarte, ben goudal, lichte et zbota. L'index et le majeur. Rava ava, c'est la troisième chita. Kevan. Lichte et zbota, c'est. Kevan de Meshane. Afilou chada akouloun ami. Rava ava, Kevan de Meshane, Afilou chada akouloun ami. Donc, comme tu as fait un chinoï,
tu as le droit de prendre avec un doigt sur tous les doigts. D'accord ? Alors, c'est où la dernière que tu as dit tout à l'heure ? Sous les doigts, sur tous les doigts. Frotter les deux mains. Hein ? Frotter les deux mains. Entière, c'est sûr que ça sort. Moi, tout à l'heure, j'ai dit comme ça, mais là, je vois dans le rabat, il dit un sur tous les doigts en même temps. Au lieu de faire ça, je fais ça. Faisais comme ça le nez qui touche, non ? La lèvre aussi. C'est la Gemara ici, c'est pas chemin que c'est un doigt sur tous les doigts. Peut-être j'ai appris ça dans les post-kits qui disent que de faire comme ça ou de faire comme ça, c'est peut-être pareil. Ça, on va laisser de se prendre de côté. En tout cas, dans la Gemara, on voit première chita comme ça, deuxième chita, un doigt sur les deux, et troisième chita, un doigt sur les quatre. Entre Betsa Yudbet et Shabbat, c'est quoi? Alors je reprends les trois gemaras. Dans Betsa Yudbet, on a vu qu'on n'a pas le droit du tout d'être mollet. Dans Shabbat Kouf Kafret, on a vu qu'on a le droit à Berachet et Tzbeotab. Et dans Betsa Yudgimel, on a un rajout qui nous dit que c'est vrai que dans le Daf Yudbet, on a dit qu'on n'a pas le droit d'être mollet dans Betsa. Mais dans Daf Yudgimel, on te dit qu'on a le droit de faire Berachet et Tzbeotab. Ok? La question, est-ce que cette gemara de Betsa, elle parle de quoi? Elle parle de Shabbat ou de Yom Tov? Parce qu'on est dans Betsarnay, a priori, dans Yom Tov. Ok, donc c'est quoi la différence entre la deuxième et la troisième? La deuxième, on est dans Masrechet Shabbat. Ouais. On t'a dit dans Masrechet Shabbat qu'on a le droit à Berachet Beotav. Alors que dans Masrechet Yom Tov, dans Betsa, la deuxième, la troisième. Ah, c'est de là peut-être que tu as dit ça tout à l'heure. Ah oui, on vient moller Berachet Beotav et Ochel. Ouais, déjà du Shabbat, on voit que c'est le même Shabbat. C'est pas mes fourrages. Mais de la deuxième Gemara de Shabbat, on voit que même Shabbat, on peut. D'accord. Et Mitzat Sheni de la Gemara dans Betsa, elle te dit Ketzat Molel dans Yom Tov. Elle te dit de faire avec Rachet Tzbeotav, alors que le Daf d'avant, elle te dit que Shabbat, on n'a pas le droit d'être Molel. Donc a priori, dans Betsa, la conclusion, la logique, c'est quoi? C'est que Shabbat, on n'a pas le droit, c'est la première Gemara. Et Yom Tov, c'est le Daf d'après, c'est Moutar Berachet Tzbeotav. Non, on peut dire que ce qu'on n'a pas le droit, c'est sans chinouille. Mais si avec Chinou, on peut faire, c'est ça la deuxième, entre Yudbet et Guimet, c'est ça la différence. Entre Yudbet, c'est sans Chinou. Ce que tu dis, c'est juste, c'est la chita de certains jeunes. Qui vont dans le kibbout, de rire, je rampe pas à Melroche, ils disent comme tu dis. C'est que je me savère. Le problème, c'est que dans Daf Yudbet, la Gemara, elle te dit, Beshabbat, c'est Assur. Elle te dit pas, Beshinoui, c'est Moutard. On passe un Daf après, la Gemara Pitom, elle te dit, Ketzat Molel. De quoi on parle Ketzat Molel? On parle Pitom de Masrel Shabbat. Il y a deux points là-bas, au bas du Hamoun. Et la Gemara dit, qu'est-ce que c'est Molel? Comment on est Molel? De quel point on parle? Ah ben, de Yom Tov. Plus de Shabbat. Et dans Masrechet Betsa. Masrechet Betsa, c'est Masrechet Yom Tov. Et la Gemara dit, qu'est-ce que c'est Molel? Berachet Tzbeotav. La Pashtut de la Gemara. Ouais, c'est qu'on parle de Yom Tov. C'est-à-dire que le Daf Yud Bet, c'est Shabbat et c'est Assur, parce qu'on t'a pas prédit, on t'a pas dit qu'avec Shabbat c'est Moutard. Et le Daf Yud Gimel, qu'est-ce que c'est Molel? C'est Yom Tov. Et donc, contradiction avec le Gemara Shabbat qui te dit qu'à plus de Shabbat, on a le droit Berachet Tzbeotav. Alors, il y en a qui vont faire. Il y en a qui vont dire que non, Béret. Pour un messager, c'est marrant que là-dedans, on dit comme Pashtut. Le Yudbet, ça parle de Yom Tov et Shabbat, mais c'est sans chinou. Yom Tov et Shabbat. Non, justement, parce que le problème de Yom Tov là-bas, dans Yudbet, c'est marqué que Shabbat, on n'a pas le droit, et que Yom Tov, on a le droit. Comme ça, c'est marqué dans Yudbet. Ah. C'est pas marqué de quelle manière, avec chinou ou sans chinou. C'est marqué Yom Tov, Tam, Shabbat, Assur. Ok? Tu passes au Daf Yud Gimel, on te dit Ketzat Molel. Comment est-ce qu'on est Molel? De quoi on parle? Ah ben, ce qu'on a dit de là-haut. Ce qu'on a dit en haut, que c'est Moutard. C'est la page toute. Dis-moi. Okay, alors pourquoi on met le troisième de Mathieu Seb? Parce qu'avec le mix des trois, là, on va arriver justement aux différentes. Il n'y a pas de contradiction entre le deuxième et le troisième. Entre la deuxième, quoi, dans Shabbat? Non. Le troisième? D'après ce qu'on dit, que le troisième, c'est que Yom Tov. Ouais, alors que dans la deuxième. Non, mais la manière d'être Molel. Le Shabbat. Mais pas la manière. Ouais. On ne parle pas de la manière ici. On parle de Shabbat de Shabbat ou de Yom Tov. Non, il n'y a pas de stira. Le deuxième et le troisième, il n'y a pas. La deuxième, c'est parce que le Shabbat. On t'a permis pendant le Shabbat de Berachet et Tzbeotav. Alors que la troisième, Ketzat Molel, Bepashtot. C'est le même Tov. Comme ça, Rachid et toi, ils expliquent le bas dans la Gemara. Que quoi? Je ne suis pas d'accord. Que quoi? La troisième, elle vient de t'expliquer comment tu fais quelque chose.
Ah, regarde, il t'a dit comment tu fais quelque chose, machma que dans Yom Tov, donc pendant Shabbat. Mais là-haut, Yudbet, on avait dit. Dans Yudbet, on avait dit. Il te dit quelque chose. Mais non, dans Yudbet, on avait dit que Shabbat, c'est Assur et Yom Tov, c'est Moutard. Et comment on fait Yom Tov, c'est Moutard? C'est dans Rachet Zvahodab. Non, mais on parle de Yom Tov, pas de Shabbat. Parce que là-haut. J'ai compris tout ça. Mais ça veut pas dire qu'il y a une marloquette entre la deuxième et la troisième. Dans Shabbat, il te dit, t'as le droit. Dans la première braïta, dans Betsa Yudbet, on te dit Ayom Tov, t'as pas le droit. Dans la deuxième, on te dit à Shabbat. Non. Dans la première, à Shabbat, t'as pas le droit. Dans la deuxième, à Shabbat, t'as le droit. Là, il tira. Mais la troisième, elle te dit quoi? Ketsad Molem. Ketsad Molem. Voilà. Alors, même mais si tu veux dire que c'est Yom Tov, disons. Ouais. C'est une stira. C'est la suite du Yudbet. Juste, il vit. Je sais pas que le Shabbat, ça, ou... Non, mais il faut pas faire des. Non, c'est Yudbet. Ah, dites le Shabbat. Je le sais de Yudbet, tu sais pas d'en bas. De Yudbet, c'est marqué que c'est Assur pendant Shabbat. Voilà. Je sais de Yudbet, donc il y a une stira entre Yudbet et Koukhlavé. Dans Shabbat et Betsam, il n'y a pas une stira avec la troisième Gemara qui ramène ici le Bet Yosef. C'est juste ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai entendu, mais je vais t'expliquer que c'est faux. Vas-y. Parce que la Gemara dit Ketsat Molen. Oui, dans Betsam? Dans Betsam, je vais pas. Ok, je ne vais pas ramener. Non, non, c'est bon, je ne sais pas. C'est bon. Ça, c'est le soi qui va l'attaquer. Il va lui dire, mais voilà, on a vu qu'on n'avait pas le droit dans. On peut pas aller. Alors, Daf Yudbet, un bout de bête. Ketsad Molel. On y va. Attendez, si vous voulez, peut-être on va enfin. Le Daf Yudbet, un bout de bête. Ça va être plus simple. Je vais dire. Tu veux prendre deux secondes de ma serre de bêta, Ethan? Il n'y a plus ici. Là, il y a la bleue et il y a la métifta. C'est ici. Ouais, on est dans le. C'est ça. Ouais. Là, je prends juste la croix. Daf Yud Bet, un bout de bête. Non, j'en sais rien des autres. Alors, Yud Bet, un bout de bête, en bas. On va faire rapidement la croix, comme ça va être plus simple. Ici, Ouch Pézirhne, vous l'avez ici, regardez. Ouch Pézirhne, des rabats. Ok, non, c'est Betsa. Yud Bet Amud Bet. Yud Bet Amud Bet. J'ai vu encore, il a demandé à Rabé, il ne savait pas répondre. T'as pensé à moi ou pas? Regarde. Ouais, j'ai vu. Ouais. Il a répondu. Je dis, c'est qui ce biscan? C'est la folie. Vous l'avez ou je peux zirner? Ah, c'est l'invité ou le méharia? C'est le Méharia. Des rabats, non, le Méharia de rabats. Ouais, le Méharia. Le Méharia, c'est ok. Hein? Oui, Balabai Tchelo, regarde en bas. Ouais. Balabai Tchelo, ok. Donc c'est le chef d'hôtel. Le hôte, non. Le patron du Airbnb. L'hôte. Il a un Airbnb, il a invité Rabat Barafa. Hey. C'est-à-dire, c'est David Verdun. J'aurais bien voulu qu'il vienne chez toi. Aïe, aïe, aïe. Mais toi, rien que j'arrive à t'avoir, toi, déjà, c'est déjà pas mal. Allô. Alors, c'est bon, Ouch Pézirhne, vous l'avez? Ouais. Ouch Pézirhne, de Rabba Barafana, avalé Isuriata de Khardela. Il avait Isuriata, c'est-à-dire Rashi, il dit, de Khavilot chez le Khardal, Bacharvitik. C'est-à-dire, il avait des épis de moutarde, desquels il devait retirer les grains de moutarde. À part les maoules les farouches, il a demandé comment, à. Comment c'est le pays c'est un truc, une écorce ou genre. Je sais pas comment c'est une écorce avec des grains de moutarde dedans. La graine de moutarde. La graine de moutarde, apparemment elle est dans une. C'est comme les comme tu vois. Comme une graine de poivre. Ah ok. D'accord. À part les maoules les farouches, ça marche précise, ici c'est des quitniotes. Ici on parle, c'est quoi les quitniotes? Les légumineuses. Ouais. Ok. C'est pas comme. C'est la question qu'on va voir dans les posquines, on va dire, est-ce que c'est comme les chrétiens ou pas? Il y a la tvoa. La récolte, les fruits, c'est vrai. Et puis il y a les céréales et les légumineuses. Là, il parle des légumineuses. À part les maou les farouchés ou michal bidayou bien. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir ça et de manger beaucoup? L'eau a vabidé, il ne savait pas répondre. Attends, les camé des rabats, il est parti donc chez le rabat. À part les, il lui a dit c'est moutard. Molélin melilot, on parle de yom tov. Molélin melilot, on met farachin, kitniot, bien tov. On a le droit d'ouvrir et les melilot, c'est-à-dire les grains de blé, et aussi les kitniot, donc la moutarde pendant yom tov. Et Tiva Abaye demande à Rava, c'est marqué Amolel Menilot, mais Erev Shabbat, celui qui a ouvert les grains de blé la veille du Shabbat, pourquoi? Parce que Shabbat c'est un sourd. Ouais, donc celui qui a ouvert les grains de blé la veille du Shabbat,
les machars, le lendemain, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Il a permis à des yads. En fait, il a le droit de souffler ou bien de faire, d'enlever l'écorce qui est mélangée. C'est sorti de l'épi la veille du Shabbat, parce que Shabbat, on n'a pas le droit de le faire. Mais c'est encore tout mélangé. Alors, il a le droit de le jeter en l'air pour que ça se sépare. Et qu'il s'en passe? Ouais, on va voir. Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut faire avec une main, c'est vrai qu'il faut être de bon. On n'a pas dit que on a le droit de faire un AAC, qu'à partir de la Lisha. Là, c'est pas Lisha. Là, on est Erev Shabbat. Parce qu'il veut manger, là. Il veut être Borer. Ah, c'est Erev Shabbat. Non, là, c'est non, non, mais il est pendant Shabbat. Pendant Shabbat, il veut être Borer pour manger. Tu as le droit d'enlever les plissures de, du Nord. Vanille, hein. Borer, c'est le Borer. C'est quoi, c'est Vanille. Ouais. C'est envoyé en l'air. Et... Ouais. C'est un AAP du financement. C'est pas ce qui nous concerne dans le faire. Ça, c'est dans la Seif Zayn. Là, je vais arriver à ce qui nous concerne. Aval lo bekanon yonatan chol. Par contre, tu n'as pas le droit de vanner avec le kli la miyuchal. Pardon, de le trier. Ensuite, la suite de la braïta, et c'est ce qui nous concerne maintenant, à Molel Meninot, Nerev Yom Tov, celui qui a été Molel la veille de Yom Tov. Alors, les machars, c'est plus calme. Menapéach, Aliad, Aliad, tu as le droit d'être Menapéach, petit à petit, Veochel, à Filou Bekanon, à Filou Betamprout, parce que Yom Tov, c'est plus permis de, d'être Borer. Aval, l'obetavla, velo Menapa, velo Bekvara, c'est des Kelim, Meyuchadim, les Brira. Ok. Mais en tout cas, il y a marqué Aliad, Aliad, il y a marqué Miyad, Aliad. Moi, c'est marqué Aliad, Aliad. Dans Shabbat, c'est marqué Miyad, Aliad. Et de Yom Tov, c'est marqué Aliyad Aliyad. Aliyad Aliyad. Amolel Melilot. Mais Erev Shabbat, le Macham Menaberh Miyad Aliyad. Merev Shabbat. Merev Yom Tov. Et après tout bas, c'est Merev Yom Tov, c'est Aliyad Aliyad. Ouais. Alors, en tout cas, c'est quoi la coucha de Abayé? C'est pour ça, Abayé demande sur Abba. Comment toi, tu as permis pendant Yom Tov d'ouvrir les Melilot et d'ouvrir les Kitniot? Voilà de la braïta en Medayek. Merev Yom Tov in. Beyom Tov, l'eau, c'est marqué dans la Braïta. Apolène Menilot, Meherev Yom Tov. Mashma, que pendant Yom Tov, on n'a pas le droit d'ouvrir les Menilot. Et toi, tu m'as dit, Rava, que pendant Yom Tov, on a le droit de tout ouvrir. Bon, ce qui est le problème, on a dit, c'est pas un problème de Borer, c'est un problème de Dash. Ok, d'extraire le Ochel de l'absolète. Ok, qui est Baloua, qui est retourné. Donc, c'est ça le couchet d'Abayé. Meherev Yom Tov, in. Beyom Tov, l'eau. Réponse de la Gemara, non. Afilou Tema, Beyom Tov. En réalité, dans la Braïta, il faut comprendre que c'est moutard même pendant Yom Tov. Et puisque c'est marqué, le Tana il a parlé dans la Recha au début, Erev Shabbat, Tana c'est pas d'avis, mais Erev Yom Tov. Point. Donc la conclusion avec Mara, c'est marqué Erev Shabbat et Erev Yom Tov. En réalité, Yom Tov, c'est Dafka Erev Yom Tov, c'est même Yom Tov. Aval Shabbat, c'est Dafka Erev Shabbat. Ça veut dire pendant Yom Tov, tout est permis. Et Shabbat, tout est interdit, c'est moutard que si tu as ça, mais Erev Shabbat. En tout cas, qu'est-ce qui sort de cette Gemara? Que Shabbat. De toute façon, tournez une page d'après, Yud Gimel Amitret. En bas de la page, la cinquième ligne en partant du bas, deux points. Quetzal Molel, vous l'avez? Oui, moi je l'ai. Quetzal Molel, comment est-ce qu'on a le droit de retirer les grains de blé de l'épi? Abayé, ce qu'on vient de voir. Abayé, Bishmed Rav Yosef, Amar, Chada, Chada, un doigt sur l'autre, le pouce sur l'index, pour l'ouvrir. Ravavien, Bishmed Rav Yosef, Amar, Chada, Tarté, un doigt sur deux. Rabba, Amar, Kevin, Demeshane, puisque tu fais un chinou et tu ne fais pas avec toute ta main. Afilou, Chada, Koulou, Nami, ok? Même un doigt sur tous les autres doigts, on a le droit de retirer le grain de blé de l'épi. Maintenant, de quoi ça parle cette Tsugia? Est-ce que ça parle de Yom Tov ou ça parle de Shabbat? De Yom Tov. Alors, attends une seconde, on va essayer de comprendre. Dans le Daf Yud Bet Amud Bet, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'Imnol Melilot, c'est marqué que c'est Moutar. Rava, il a dit Moutar, l'Imnol Melilot. Mais Shabbat, il avait dit Yad Aliyad. Non, ça c'est pour le Benaper. Ça c'est pour la deuxième étape. Là, on est dans le Melilot. Faut faire attention, il y a Melilot, Molelin Melilot et Benaper. C'est deux Tsugia. Molelin Melilot, c'est Dash, c'est retirer les grains de blé de l'épi. Et Menapéar, c'est une fois que ça a déjà été retiré, c'est de séparer les corps, c'est bourré. Ok? Donc la Sugia, si on parle de quoi? Ketzad Molel, ça parle de quoi? De Ketzad Molel, ça parle de Yom Tov. Ça parle de Yom Tov. Ok? Qui c'est qui dit ça? Regardez le petit Tosfot sur la droite. Ketzad Molel, vous l'avez? Pirouche? Yom Tov. À droite, en bas. Ketzad Molel, Pirouche, Yom Tov. Ou Be Shabbat? Assur l'imlol, point. Après, c'est autre chose. Non, que ça me n'a pas de on parle pas de, c'est-à-dire, d'après le Tosfot, ça sort que quoi? Que Shabbat, ça sort même avec le chinouille. Parce que la Gemara est en train de te dire comment est-ce qu'on est molel avec chinouille. Donc, c'est d'après Tosfot, qu'est-ce qu'il en sort? Be Shabbat, tout est assur même avec le chinouille. Alors que Be Yom Tov, c'est moutard avec le chinouille. Ok? Et donc, sur ça, d'après ce malheur de Tosfot,
qu'est-ce qu'on fait avec la Gemara que le Beit Yosef il a ramené dans Shabbat ouf kafret, que c'est marqué là-bas dans Shabbat, que c'est moutard l'imlot, des melilot, avec un chinouille. Voilà, c'est marqué dans Shabbat que c'est moutard avec un chinouille. Et là, toi, tu te dis que Shabbat, c'est un sourd avec le chinouille. Donc ça, c'est la stira qui va être posée dans le ran, dans le roche, que tout le monde va poser. Comment on s'arrange entre la Gemara Betsa, d'après le pirouche de Rashi et Tosfot, puisque Rashi aussi il dit en bas, Ketzat Molel Beyam Tov, tout en bas, la deuxième ligne importante du bas, Ketzat Molel Beyam Tov, Lamran El Molel Milot, Vavadaï Shinoui Beyam Mouvdadechon. Ok. Mais est-ce que c'est pas une question de Shabbat là? C'est pas possible que ce soit ça la question. Justement, dans Shabbat, je crois que c'est un sourd les gars. Voilà. Non, c'est que le Beit Yosef il a ramené une autre Gemara dans ma série de Shabbat, que c'est marqué là-bas, dans Shabbat, c'est Moutar Limlon Minilot avec un Shinoui. Oui, c'est tira, pourquoi et quoi? Que là-bas dans Shabbat, c'est marqué que Béchabbat on a le droit de faire ça avec un chinouille. Oui. Alors que ici, la Gemara qui te dit qu'on a le droit de faire un chinouille, toi, soit tu t'expliques que ça parle uniquement Béyam Tov. Aval Béchabbat, c'est un sourd. Ah, avec un chinouille. C'est toi, soit tu dis, ou Béchabbat, c'est un sourd, Béchabbat. Mais grave, ça c'est la confusion. Ça c'est le grand 1. Ça. Il y a le klal, c'est qu'on l'a pris dans Yudbet à Moudbet. Béyam Tov, on a le droit de. Et à Shabbat, on n'a pas le droit. Et grand 1 de ce clan-là, c'est comment on fait, comme il te dit Rachid, de Badaï, oh, en plus c'est Rachid, il te dit, Badaï, Shinoui, Baïe, Meroufda, Dechol, pendant Yom Tov. Donc maintenant qu'on a le droit d'être Molel Melilot pendant Yom Tov, comment on fait? Parce que c'est sûr qu'il faut un Shinoui. Ne viens pas me dire que cette Sugia qui s'intéresse à comment on est Molel pendant Yom Tov, elle vient être sautée à la Gemara dans Shabbat, qui dit qu'on n'a pas le droit d'être Molel pendant Shabbat. C'est un détail ça. Ici, c'est pas. Alors, la soukia ici de Ketzat Molel de Tolé Amorim, c'est Béatem de dire Berachet Beotav. La Gemara ici. Abaye, Rav Yosef, d'après Rabat. Dans Shabbat. Non, ici, dans Ketzat. Rabat, Marc, Kemet, Meshéna, Filou, Khalé, Akoulou, c'est-à-dire Berachet Beotav. Ouais. Ok. Donc, la Gemara dans Béatem est en train de te dire ici, comment est-ce qu'on est Molel? C'est Berachet Beotav. Et sur ça, Rachid et Tosfot, ils te disent, sur Rachet Beotav, il marche, Yom Tov. Alors. Mashma, en tout cas de Rashi, et c'est l'Hédia dans Tosfot, que Béchabat sur la chaîne Béotab, il est interdit. Hein? Oui, je vois, c'est différent. Non, au début, on a appris de Betsa qu'on n'a pas le droit d'être Molel pendant Shabbat. On a appris dans Shabbat qu'on a le droit d'être Molel pendant Shabbat. Et si tu vas dire que non, même dans Betsa en vérité on te dit qu'on n'a pas le droit, mais on a le droit avec un chinouille, ouais. Alors viens apprendre que même avec un chinouille on n'a pas le droit. Ah ok. Donc en fait, la Gemara ici de Betsa Yudgimel à Moudbet, elle vient expliquer la Gemara de Daf Yudbet à Moudbet, de te confirmer que ce qu'on a dit que Béchabat c'est à source, c'est même avec un chinouille. Puisque tout ce qu'on t'a permis dans le Daf Yudgimel à Moudbet de chinouille, c'est que Yom Tov. Voilà. Mashma que Shabbat, ça sent même avec chinouille. Voilà. Donc ça, c'est la stira qu'on fait entre Masechet Betsa et Masechet Shabbat. D'après le fil rouge de Rashi et Tosfot. Parce qu'on aurait pu expliquer la Gemara différemment en disant que qu'est-ce que c'est la Gemara ici, Ketzat Molel. Peut-être ça parle de Ketzat Molel. Peut-être ça parle de Shabbat. Non. De Shabbat. Pourquoi pas? Parce qu'on vient de te dire non juste au-dessus. De Yudbet. Alors, on peut expliquer différemment. De dire quoi? Dans Yudbet, on a dit que Shabbat, c'est assourd. Viens la Gemara dans 9 guillemets à la Moudbet et te dit, mais comment est-ce qu'on peut le Shabbat avec un chinouille? Tu peux l'expliquer comme ça aussi. Agamana, V. Ketzat Molel, c'est même cher pour permettre le Issour du 9 Yudbet. Ok, ce qu'on t'a interdit, mais dans quel cas c'est moutard? Voilà. Non, 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 si. Non, mais comment tu peux dire ça? Mais si, on t'a interdit pendant Shabbat. Mais tu sais qu'il y a un cas où on peut. Dans c'est quel le cas, cas de Rachet Molel. Voilà, de la seule. Ça fait pas de Sira. C'est pas comme ça qu'il aurait fallu dire. J'ai pas dit. Là, je suis en train de dire les deux tzadim. Le Rif, le Roche et le Rambam, ils expliquent comme je viens de dire maintenant. Ça lui plaît pas, c'est ce qui a marqué. Pourquoi? À cause de la Gemara dans Shabbat, Kouf Kafred. Il te dit, mais voilà, dans Shabbat, c'est le fil rouge. Rachamim Omrim, Molel, Beshabbat, Berachet, Barada. Donc forcément que cette Gemara, elle te parle de quoi? De Shabbat. Ok? Ça va être le premier Mahalach dans les Rishonim. Le Ran, il te dit qu'il y a d'autres poskim, d'après Rachid Tosfot, qui vont te dire, non, il n'y a pas de Stira. A priori, il y a une Stira d'après Rachid Tosfot. Mais sache qu'il n'y a pas de Stira. Pourquoi? Dans Shabbat, hein? Oui, mais je ne sais pas que de Shabbat, c'est un sourd même avec un chinouille. Et voilà, dans ma Sefer Shabbat, c'est marqué qu'un chinouille, c'est moutard dans Shabbat. Enfin, c'est la stira qui est entre Betsa et Shabbat. Alors, comment on va répondre à cette stira? On va voir tout de suite dans le Beit Yosef qui va ramener le rat. Alors, Daharan Kata, vous l'avez dans le Beit Yosef? Oui, ici. Deux minutes avant la fin. Daharan Kata. Tu l'as, Ethan? Oui. Bon, David?
Alors je lis. Veharan Kadav. Veika le Medak. Donc on est Makshin Kushia. Donc Yesh le Dayek. Veacha Mashma. Useacha. Le Béchabat. Lo Share Limlol. Klal. C'est complètement un sourd, même avec chez nous. Dans Yudbet. Dans Yud Gimel. Dans les deux, quoi. Oui, quand même. Oui, dans Yudbet, ça a commencé. C'est clair, ouais. Veilou Beperek Mefanim, par contre, dans le Perek Mefanim, c'est dans le Maseret Shabbat. Amorin, Demolel, Barachet, Beotav, Kouché Atsuma. Betiret, Raza. Donc le Raza, il est Meyachel comme ça. Deata, Bechavile, Pea. Bechoule. Aval, Bechavile, Tvoua, Vekitniot, Loch, avec la. Bon, il te dit, il y a une différence. Dans Maseret Shabbat, si on se rappelle, de quoi on parlait là-bas, Chavile, Pea, comme on dit là-bas, Ezov, Vekournit, c'est des sortes de plantes. Alors que chez nous, dans Betza, on parle de la tvoua et des kitignotes. Mais quoi? Du blé ou bien des légumineuses. Donc là, c'est là. Alors on dit que. Le PA, c'est de l'herbe et du champ. C'est aussi. Mais là, PA, c'est aussi une sorte de plante. PA, Ezov et Kournit, c'est des sortes de plantes. Ok? Alors on te dit qu'il y a une différence entre les plantes et puis les céréales et légumineuses. Les plantes, les grains de blé dans les plantes, enfin les grains de, pardon, de plantes, quand, ah, ils ne sont pas même coubarés. Ils sont juste posés. Ils sont juste, c'est comme on veut dire, des billes qui se baladent dans une écorce. Alors dans ce cas-là, on te dit, c'est pas grave. Tu peux être Mekel, Berachet, Zbeotav. Parce que c'est pas un vrai pirou qu'un vrai dash que tu es en train de faire. Alors que dans les céréales et dans les légumineuses, comme il a dit Ethan tout à l'heure, c'est un petit peu fixé à l'intérieur. Ouais. Alors dans ce cas-là, ben, c'est un peu plus. C'est englobé, mais en plus de ça, à l'intérieur, il y a des petits fils comme ça. Ouais, des petits fils à l'envoyer. Alors, il lui dit quoi le Raza? Il lui dit Deata, Berhavile Pea. Que là-bas, ben, on va permettre Berachet Zbeotav. C'est-à-dire, ce qui est marqué dans le Maseret Shabbat qu'on a le droit avec un chinouï. Parce qu'on parle d'une chose spéciale, d'une sorte spéciale de plante. Que là-bas, les petits grains là-bas, ils se baladent dans l'écorce. Donc c'est pour ça que là-bas, il n'y a pas le problème de dash, en tout cas, à l'idée chinouï. C'est pour ça que chez nous, on aura le droit. C'est pas un grand dash. Okay? Alors que chez nous, dans Maseret Betza, on parle de tvoua et kitniot, c'est collé. Donc là, dans ce cas-là, même avec un chinoï, ça va pas marcher. Okay? Ça, c'est la réponse du Raza. Première réponse. Ve'acherim tirtu, il y en a d'autres qui ont le droit. Pourquoi tu comprends comme ça le Raza? Alors qu'il loue contre eux, ve'aizov kornit, et d'un côté, kotniot de l'autre. D'où je l'ai sorti ça? C'est le Raza, mais t'as fait le chilouk en disant un ça se balade et l'autre c'est d'un. Oui, tu dis d'où j'ai sorti cette fois là, cette explication. Ouais, comment ça? J'ai recherché dans mes petits cahiers durant mon chef de vie et je suis tombé par hasard sur ça. C'est trop beau. Ah, non, même lui, je sais pas d'où il a sorti ça. Hein. Non, mais c'est bon, parce que moi je restais bloqué dessus, j'ai dit bon, mais là il faut comprendre. Il te fait le chilouk. Non, parce que c'est un mitzou peut-être, c'est un mitzou truc comme ça. Tout simplement, parce qu'on connaît pas un mitzou, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir la différence. Mais viens, j'ai pris en deux minutes là. Ouais, tu dis, Chavile Pea, Chehenam Mechoubarim la Klipa, Machehen Ken, tu vois avec qui tu dis, c'est mon problème. C'est Mechoubarim. Comme ça, je l'ai lu dans mon petit calepin. Quand j'avais 19 ans, j'écrivais des notes. J'étais le seul d'ailleurs à écrire. Voilà, ben non. Et Chehenam Mechoubarim la Klipa, alors que quoi? Alors que tu vois avec qui tu dis, Machehen Ken, tu vois avec qui tu dis, Chehenam Mechoubarim. Ça veut dire que les kitniot, c'est interdit. Qu'est-ce qu'on faisait avec CPA là? Tu demandes au Rambam, il va te dire on soignait des gens, t'inquiète pas. On mangeait pas. On faisait la nourriture. En réalité, je sais même pas c'est quoi. J'ai un en français, PA, Ezov et Kornit, je sais même pas ce que c'est. Je sais que c'est des plantes. Non, le Ezov, on sait. Ouais, bon. Ezov, c'est le. L'isop, qu'on faisait dans la Bible. Je sais, la traduction dans la Bible. Mais que j'ai vu une fois cette photo, l'isop. C'est une sorte de bouquet comme ça. Je vois, mais ça se mange? Non, non. Si, tu dis que oui, là. Ah, c'est pour la BMA. C'est pour la BMA. Ah, alors peut-être tous ces trucs-là, c'est pour la BMA. C'est possible. C'est des plantes qu'on donnait, pas la clipa, mais l'intérieur, on les donnait pour la BMA.
Pas pour toi. Vous avez un problème pour la BMA. Non. Vous avez pas mourir la BMA. Non, j'ai un problème à la BMA. Tu vas lui donner à manger avant ton kiddush. Et ça, c'est pour le Yom Tov, pour le Shabbat. Le Shabbat. Ah oui, même Shabbat. Ok. Ça, c'est le premier tiroute du Raza. Après, il dit Va Achirim, tire tout. Deuxième tiroute dans le Ran. Deata. Où c'est Ata? Shabbat. Dans Shabbat. Et non, Molé. Et là, les Raker à Ocher. Pardon, c'est pas dans Shabbat. Ça, c'est dans. Oui, dans Shabbat. Dans Shabbat. Ata. Et non, Molé. Et là, les Raker à Ocher. Là-bas, ce qu'on est en train de faire, ou Bishumachish, Charé à l'idée, Shinoui. Dans ma Sechet Shabbat, ce qu'on est en train de faire là-bas, Bémet, on ne va pas retirer les petits grains de la plante de l'épi. On va juste être Merakher le tout. On ne va pas le retirer. Donc Bémet, on ne fait pas Mefa Rek. Pourquoi? Comment il va manger après? Il veut tout manger, la Bémet, mange tout. Ah, parce que c'est pour la Bémet. C'est pour la Bémet. Donc on va juste être Merakher. C'est pour ça que ça marche avec un chinouille. Alors que dans Masechet Betzah. On a même sans chinouille, alors si tu n'es pas Mefarek, qu'est-ce que tu as fait là? Hein? Attendez, ça c'est une bonne question. Ve'acha, ou molel de'acha, par contre le molel de Masechet Betzah, les farek aochel mitoch akashid sont les gamrés. Que là-bas chez nous dans Betzah, on veut complètement retirer la céréale ou le kitniat, et donc là c'est à son même l'idée chez nous. D'accord? Alors c'est une bonne question. Qui demande comment ça se fait. Si c'est pour retirer le truc, tu dis ça à sourd, ok, elle fait le déchinouille. Mais si c'est juste pour être merakère, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un chinouille? Je prends la plante avec l'écorce, j'appuie, tu sais quoi, ils font un chinouille. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait un chinouille? Le prix magazine, on va voir dans Michel Brouin, il dit qu'on a le droit de prendre une pomme pendant Shabbat et tout être merakère. Sans chinouille. Sans être souchette. Mais sans souchette. En tout cas, peu de problème de dash, parce que c'est juste merakère. Alors que le Mishnah Berurah plus haut là-bas, il te dit que les rakers et la chibolim, mais t'as un truc, ils font un chinouille. Alors tout le monde te pose la question, mais t'as quoi, il faudra un chinouille. C'est juste pour être mes rakers, pas pour le faire sortir. Il n'y a pas de problème de dash, il n'y a pas de problème de borer. Bien sûr. Alors ça aussi, j'ai vu dans les chiots de Rav Moshe Levi, qu'il dit que c'est un problème de maritime. Je sais que tu nous le fais aimer, Rav Moshe Levi. Je te promets que tu nous le fais. Zaka. Ah, il dit quoi? C'est juste un problème de maritime. Souvent, alors là, comment je le marque? Les gens ils vont te dire, hey, celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'appuyer. Ah, il veut faire sortir les trucs. Il est de farec là. Non, tu sais. Ah. Non, il fait un chinouille pour enlever ce maritime. Parce qu'au final, tu vois que ça sort pas. Comme ça, il a écrit lui. Comme ça, j'ai écrit moi dans mon petit calepin. Alors, des atam. Et non, molel. Et là, les rakecha ochel. Alors, sur les chinouilles, je marque. Allez, les chinouilles. Des bails, chinouilles. Chez l'eau, il est maritime. Avec quoi, monsieur Baïchinou? Marit, comment est-ce qu'il s'appelle? Il fait un rêche, un lèvre, un yod, un taf. On continue. Donc, deux réponses, en tout cas, d'après ces deux réponses-là, pendant Shabbat, quoi, Maadien? C'est permis. C'est à saut. Les farines, quels sont les farines qu'à filou à l'aider chez nous? D'accord, le raza est permis. Oui. Là, dans le PA, dans les trucs spéciaux, des plantes. Oui, donc il t'a allé ouvrir une petite porte. Oui, mais en tout cas, ce qui nous concerne à nous, la voix et l'équipe, ça soit enfilé de chez nous. D'après le Raza et d'après l'Afrique. Ça rejoint le chat de Rashi, qu'on vient de voir, et de Tosfot. Que Béchabat, on n'a pas le droit. En tous les cas. Après, il dit le Béchabat, par exemple, dans les pépites, ça bouge dedans, la pépite. Ne crois pas, c'est sur Raza. La pépite, on a dit, d'après les Iglétales, c'est pour c'est pas Béfarek, puisque ça se ramène à table. On parle de Béfarek. Bon, un autre exemple. J'ai compris ce que tu dis. Okay, tu dis qu'il y a un plus grand pétard dans le Raza. Après, il dit Vechen Kata va mordir. Après, il dit le Ran, dans le Bet Yosef, ou le fils de Hadzo, qui a Mrinan Ketzad Molel. Psyk, Beyam Tovi, ça parle quand ça, Beyam Tov. Comment on a dit dans Rachid Tosfot Debe Shabbat, Asou, Afilou, Alédé chez nous. D'accord. Et là, il dit le Ran, Ven Zeda Tarif, Vea Roche. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Chez Kadou, Meperek, Mefanil. Des Shabbat Kai, que la Sugya dans Maseret Betzah, Ketzad Molel, ça revient sur Shabbat. Ou Pascou, Kerava. Ils ont été possibles comme Rava, des Kaimi Rabbanan Kevate. Le Chenat Aramba, le Père Kafalem, donc le Rif, Rosh Ramba, le Chen Iskim Shama Rabba Magid, le Rabbanan Yucham de Menina, Sharia Beshabbat, Afilou le Farek Azera, mais à Gibolim, ok? Donc
Donc Mahloket, d'un côté on a Rif, Rambam, Rosh, Rabbeinu Yerucham, Rav Magid, Kon, Rashi, Tosfot, Raza, et Mordechai. Ok? Est-ce que Meshabbat on a le droit de sortir la Tvoa et les Kitniot, aller des Chinouilles ou pas? Et le tour comme qui les possède? Comme le Rif et le Rambam, comme son père le Rosh. Ce qu'il a dit dans le Seyid Bab, elle m'a dit le Shabbat, et là, Olel, Beshinou, il va racheter le Flotav. Il t'a permis Shabbat avec le Shinou. Comme le Rif. Et aussi le Shulchan Aruch, il est posé comme ça. Ok? Ça, c'est la première découverte. On continue? Magnifique. Vraiment très bien. Vegar Sinan. Vegar Sinan, tout me paraît comme un Ayurtov. Ah, mais lui. Mais bon, c'est lui, il va permettre des cacahuètes avec un Shinou. Les amandes vertes, là, ce que tu as dit ce matin. Les amandes de la clipa verte? Ouais. Le problème, est-ce que tu veux pouvoir? Oui, avec les dents, c'est un chinois. Ah! Mais c'est pas un chinois. Ouais, c'est pas un chinois. Tout le monde fait que. Ouais, c'est un chinois ce qu'ils font avec les dents. Tu vas à Alger, ils font ça avec un casse noir. Non, ils font bien avec comme ça, avec le poing. Non, les amandes. Il va pas se casser. Comment on casse les amandes vertes d'ici? On a un professionnel parmi nous. De nappe, de la clipa verte. Dis-leur, je t'en supplie, comment on fait avec les boules. Voilà. Ah, c'est fini, c'est. Non, mais ça veut dire. C'est pas la clipa verte qui pose problème. C'est après la clipa verte, c'est l'écorce qui est dure. Si tu ne mets pas entre tes dents, ça ne casse pas. Bien, tu prends un casse-amande. Pour la clipa verte. On n'a pas besoin d'enlever la clipa verte. Oui, mais si elle arrive avec la clipa verte. Oui, justement, mais on n'a pas besoin de l'enlever. Parce qu'avec le casse-amande. Avec le casse-amande. Ah, tu casses les dents en même temps. Tu casses les dents en même temps. Tout ce que vous dites, c'est très bien. Ben oui, on n'enlève pas la clipa verte, après on enlève le. Oh, et celui qui veut enlever. On enlève les deux en même temps. Celui qui même dans la bouche, on enlève les deux en même temps. Bon, il y a un petit goût amer des fois parce que la clipa verte, elle est un petit peu amère. Mais on fait les deux en même temps, on ne va pas faire deux étapes. Imagine la femme, elle est dans la cuisine, elle veut casser d'abord la clipa verte pour emmener les clipotes marron à table. Ah oui, on va dire il permet. Non, l'amande, non. Ah, tu dis l'amande, il permet. Ah, tu l'as dit? Ah, bon, c'est vous qui m'avez dit que la clipa verte, ça se vend aujourd'hui des amandes, ça se vend aujourd'hui. Ah, moi je l'ai vu à la Tania, c'est sûr. Des amandes avec les clipas vertes, qu'on a vu ici en Israël. Ah, des amandes fraîches. Mais non, je sais pas, à Givat Shaul ils vendent pas. À Givat Shaul ils vendent le Kugel, le Gefilterfish et de l'oignon. Avec la clipa verte, il y a trois clipas. Oui, la clipa verte. T'as jamais fait ça, ta femme, je vais tout de suite porter plainte. Quoi, tout vert? Ouais. Non, mange pas. Mais ma femme aussi, c'est mes parents, moi je peux pas regarder le truc. Avec la clipa verte, ils mangent pas. Pourtant, c'est des vrais. Ma femme, mange. Non, elle me dit, est-ce que ma femme mange comme ça? Ils mange pas ça. C'est pas possible. Ils sont de Djerba ou de. Ouais, Djerba. C'est pas possible, je suis très étonné. Tu rigoles, t'as passé en bas là-bas, c'est les gens du peuple. Hé, je vais te dire, c'est pas normal. Que tu sais pas, tu genre, t'as jamais vu qu'ils ont mangé. En France, j'ai vu. Ouais, mais en Israël. En Israël, des amandes, si j'achète, bon, c'est en général dans les petits achats. Ou bien même si j'achète frais, bon, c'est. Ici, tu vois, ici, voilà, magasin de pizzerie. Tu crois qu'il a des amandes avec la clipa verte? Mais c'est parce que c'est pas l'époque. Mais c'est pas la saison. C'est hein. Pas la saison. L'amande verte. L'amande verte, je vais t'amener des exemples. L'amande verte. C'est quand la saison? Tu vas aller manger à Shabbat ou pas? À tout bif. Tu as dit oui? Tu veux m'ouvrir? Tu as dit oui? Tu vas me sourire, toi? Quoi? On a droit? Non, vas-y, d'après toi, pour 8 par 8, maintenant tu vas le rapprocher des biens, on a droit. Vas-y, même dans Dash. Mais non, c'est déjà arrivé là. C'est la fleur de la famille. Ah, la fleur. Quand est-ce qu'elle sort? C'est le premier arbre qui fleurit. C'est le premier arbre de la terre. C'est même d'après dans Dash, après qu'il y a le fleur, il y a rien. Et quand est-ce qu'il la sort? Un mois et demi après. Donc c'est maintenant alors. Si tu n'as pas un mois ici, c'est pas. Mets-toi. C'est fait qu'on dit dans un mois. Il dit que c'est ça va bientôt sortir. C'est-à-dire à tout Bishvat, il faut savoir qu'à tout Bishvat, le premier arbre qui fleurit dans le monde entier, c'est l'amandier. On voit la fleur, on dit ça y est, c'est tout Bishvat. Et derrière la fleur, il y a l'amande. Et l'amande, elle ne vient qu'à moins un mois et demi après. Donc la Pessah. Elle va voir le bourgeon là, de l'amande, la fleur elle va tomber, et voir le bourgeon d'amande. Et après l'amande verte, elle vient après Pessah. Et après Pessah, on mange des amandes vertes fraîches. Et le kiff de l'amande verte fraîche, c'est qu'elle soit déjà cassée,
par la fin, on peut avoir quelques heures. Ils ont sorti la main avec l'écorce, la première kippa, la kippa un petit peu jaune, marron comme ça. La première kippa, mais très très légère cette kippa. Tu mets ça dans de l'eau salée. Après, tu enlèves même la kippa. Il reste non, la mais blanche. Elle s'ouvre. La kippa, elle part. Ça te kiffe. Et tu prends ton appel aussi. Le kiff, le kiff. Voilà. C'est le kiff, Jésus. Ah, bah, tu montes ça, je veux dire, un verre de bouffe et de la c'est. T'as pas fait. C'est ça, c'est non, mon ça ma femme, elle mange dans ils mettent les amandes ils dans l'eau salée, salée, ils adorent ça. Ouais. Mais pas avec le corse verte. Ah non. Hein? Il est frustré. Ils adorent ça. Ils voilà. Le regardent comme des. Non, moi je mange pas toi. Ouais, c'est pas un fou de ça. Tu devrais. Tu commences à manger, t'arrêtes pas. Des cacahuètes, c'est... Alors, si vous voulez, on regarde pour la suite, je vous dis c'est on regarde le jour de la masse à fête, faites ça, autre part. Yush Gimel Amoud Bet, les derniers liens. Alors, Yush Gimel Amoud Bet, tout en bas, Ketsab Menapéar, Amar Rabadabara Avar Mara, Menapéar, Mi Kishretz Beotab, Oulmala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Menapéar? On est dans la deuxième étape. Première étape, on a enlevé les kitiniot de l'épi. Mais il reste, on a dit, la chita avec la klipa qui est mélangée. Ok ? Alors, ce qu'il faut faire normalement, c'est être zoré. C'est prendre normalement la pelle, là, envoyer en l'air et ça fait fuir toutes les klipas. C'est plus léger, là. Et la chitine, il retombe. Maintenant, on n'a pas le droit de faire ça, c'est zoré, ça sort bientôt. Alors, il faut faire un chinouille. Alors, comment on fait ce chinouille ? Donc tu le mets où ça? Sur les phalanges de tes doigts. Donc tu mets quand il est ici, là. Et puis tu fais comme ça, tu l'envoies en l'air, ça retombe, et ça va être moutard. Ça va être aussi. Ça laisse le temps. Mahaku ala de Marva. Alors ils se sont moqués de lui en Eretz Israël. Ils se sont moqués de lui en Eretz Israël. Kevin de Meshane. Afloubekou la Yadanami. Puisqu'il a déjà fait un chinouï. En quoi il a fait un chinouï? Il a fait un chinouille parce qu'il a pas pris les deux mains. Si il a pris les deux mains, il fait comme ça. C'est en habitude, ouais. C'est à son minatora. Mais le fait même que tu as fait un chinouille, de prendre avec une main, alors prends seulement avec la partie. Pourquoi prendre seulement avec la partie d'avant? Prends tout. Prends toute ta main, ouais. Tu prends sur toute la main pleine, tu fais comme ça. Et là, c'est pour ça qu'il dit Amar Rabbi Elazar, Menapeach Beyado Achat, ou Bechol Kocho. Que lui, il te dit que tu as le droit de remplir toute ta main et de faire toute ta force. Ok, donc en tout cas, d'après la masquerade de la Gemara, Benapéar, Beyado, Achat, on a le droit de remplir toute la main. Ok, pas besoin de juste les tichets et les bâtards. Maintenant, la question. Non, pourquoi ils se sont moqués de lui? Il lui dit, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plusieurs bâtards. On dit, le derrière, c'est deux mains. Tu es passé de deux mains à Kishret Zbotov, ouais. T'as sauté une étape. Passe de deux mains à une main entière. Une main entière. Kishret Zbotov. Peut-être c'est ses deux mains. Oui, en tout cas, c'est que la partie de deux mains. Non. Kishré, Sberota, Roulma, là. D'où tu sais que c'est pas les deux mains? Attends, c'est Rav qui dit ça. Ils se moquent, ils sont marrants. C'est Rav qui dit ça, c'est pas. Ah, tu dis que les deux mains, ils disent que ça. Il vient, ils lui disent, ce qu'il a fait, là, c'est quoi cette rigolade? Ça veut dire que t'as deux schlabim dans le chinouille, t'as été trop loin dans le chinouille. Non, peut-être que lui, il a fait des Kishré, Sberota sur le deux mains. Ah, peut-être qu'après ils se sont moqués, ils lui ont dit, mais c'est pas pratique de faire ça. N'avoir. Kevin Demichané, si déjà tu fais un chinouille. Non, mais je crois qu'ils sont maximes sur le din. Parce que tu as fait un chinouille, t'as pas besoin de faire un grand chinouille comme ça. Vachement, un filo bicouli yadé. C'est ça, la petite bachou. Le filo bicouli, c'est vraiment comme ça, ils ont compris. Pourquoi ils ont compris comme ça? Je vais le décapo. J'entends. En tout cas, la maskana ici d'Akmara, c'est de dire que. Toute la main. Ok. C'est le chissel chez nous. D'accord. Alors maintenant, la question. La question, c'est regardez, je reprends le daf d'avant. Yudbet à Moudbet.
comment c'est marqué dans la Braïta, la sixième ligne importante du bas, Amolel, et Diva Abaye. Amolel, Menilod, Menilod, Shabbat, Lemahar, Menapéar, Yad. Yad. Ah, comme Yad et Yad, ce qu'il est ici. D'une main à l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Rak Beyad Achat. Comment on s'arrange avec cette main? La phrase, c'est une Sira. Qu'est-ce que tu vois, c'est une Sira? C'est laquelle? Dans ta flûte bête à bout de bête, en bas. Et Diva Abaye. Amolel Menilot Menav Shabbat Menapéar Menav Shabbat Menapéar Miyad Liyad. Ah, Miyad Liyad. Et là Rabbi Elazar il dit Yado Achad. Quoi, Yado Achad ou Miyad Liyad? Non, parce que c'est deux Menachot différentes. Menapéar, c'est la même chose, on parle de ça. Amolel Menilot, et là-bas c'est Menapéar. Ah, regardez-moi. Amolel Yudbet Amudbet. Amolel Menachot Psyk Lemachar Menapéar Miyad Liyad. Donc tu vois que les Menapéar, c'est Moudar, Miyad, Leyad. C'est dans Yud Bet Amoud Bet. Alors que dans Yud Gimel Amoud Alev, c'est marqué Yado Achat. Alors, le Sira, c'est une marfouquette entre le Rambam, ce qu'on va voir maintenant dans Beth Yosef, entre le Rambam et le Tour. Le Rambam, lui, il est noquette quoi? Comme la Gemara. Il faut Dafka, Yad Achat. Yad Achat. Yud Gimel, c'est ça? Comme le Yud Gimel. Comment il va s'arranger avec la Baraita, Miyad, Leyad? Le Beth Yosef, il va répondre, il faut dire Miyad, Layad. De la main à la même main. Ah. Il faut dire avec un patard, pas avec un cheval. Miyad, la yad, hop, miyad, l'autoyad. Oui, pas d'une autre. Mais c'est un peu caché le lachon, miyad, la yad. Parce qu'on parle. Alors, tu dis miyad, el yad. Non, mais j'ai compris, mais là, de guillemets, c'est. On parle d'une main. D'une main. Alors là, quand on dit miyad, même dit el yad, c'est un peu lourd comme lachon. Bah, c'est un peu d'orak. Ouais. Alors, tu vois que Rabbi Lazar, comme ça, il a compris. Parce qu'il faut un chinouille. Oh ben c'est la main. Non, enfin, c'est la main. C'est la main de chez nous. Donc, obligé d'expliquer que ce qui a marqué dans tout le Braïta, ouais. Yad et Yad, forcément, tu es obligé de mettre un patard. Pour ne pas que ce soit sauvé. Ça, c'est le Rambam. Alors que le Tour, il dit non. D'après le Tour, non seulement Miyad et Yad, c'est Mouta, mais ben, la filou, Miyad et Yad, c'est Mouta. Comme là, Braïta. Et lui, comment il dit Miyad et Yad. Alors, comment il va lire maintenant Miyado Achat. Ouais, ça. Ça, ça va être la couchette du Beth Yosef. Il va essayer d'être Nitra. Ok, ça, c'est le malheur qu'on va voir maintenant dans le Beth Yosef. C'est comme ça là par rapport à ce qu'on a dit là. Et le truc il lui dit donc Amaravada Barava, Amarav et Menapéar, Rak, j'ai dit avec le métier de Rak, Shemunachim Agarinim, Mikishre Tzberota ou Kulmaala. Ava la sourde Menapéar, Keshemunachim Agarinim et Kafiado. Ok. C'est comme il expliquait. Pourquoi Alav et Maharava? Pourquoi Maharava? Ce qu'ils ont expliqué, c'est ce que j'ai dit. Tu as une question, peut-être. C'est quoi le malar? Le malar, c'est expliquer. Je répète, comment c'est le malar? Il a permis Rava, Rav, seulement l'avant de la main. Il dit, et c'est que tu fais un chinouille et que tu vas pas d'une main à l'autre. Donc c'est déjà un chinouille. Alors Afilouk, mais Kolayad. Réponds, Seigneur Khenami, c'est pour ta Kolayad. Lui, il a posé la question, qui a dit? Peut-être qu'il serait Tzvaota. C'est dans les deux mains. C'est avec les deux mains, comme ça, c'est à l'avant. Ça. Voilà. Ça, c'est... Ouais, il répond pas à ça. Bon, il faut peut-être le faire chier, mais... Alors on regarde dans le Beth Yosef. Alors Garcinan, vous l'avez? Ouais. Tu l'as dit, c'est... Ouais. Garcinan, tout veut faire un kamad et un peu une guimel à bout de bête. Qu'est-ce que c'est, Menapéar, ce qu'on vient de dire? Amar Abadabaraba, Menapéar. Et il reprend tout le mal. Mikishret Zvotav ou le mal. Klomar, vélo et capot, d'après le premier mandat Amar. Pas toute la main. Machakou la Bemar, va ils se sont moqués de lui en Eretz Israël. Kevin Deneshenet, est-ce que tu fais un chinois et que quoi? Que tu n'envoies pas d'une main à l'autre. Afilou Bekoula Yadanami, donc tu pourrais permettre même si c'est dans toute ta main. Et là, Amar, Rabbi Elazar, Menapéar, Beyadou Achat ou Bechol Koro. D'accord? Donc on a droit avec toute la main. C'est un tana? Mais là, non, c'est un tana. Rabbi Elazar ben Pedat et Rabbi Elazar ben Chamoa. Rabbi Elazar ben Chamoa, c'est le Tana. Et Rabbi Elazar ben Pedat, c'est le. Vekata Baramba, Beperek Afalef. Keshou, Alachalema, c'est le Parambam. Keshou, Menapéar, Menapéar, Beyado, Achat. Ou Bechol Kocho. Comme qui ça va ça? Comme la Gemara qui a dit Beyado Achat. Ouais. Non, comme Rabbi Elazar. Comme Rabbi Elazar. Yugimel. Yugimel. Aval, l'homme est canon et un fruit. Ok. Pourquoi ça sur le canon? Gzera Shemenapé, Napéar, Benapé, Ougvara, Shouchaya. Ok, bon, c'est ça la Gzera, Aga. Il dit le Ravamagi, Ketavamagi, Zélechon, Obekadwam, Farshim.
Agave maintenant. Dès là, vous devez faire canon de tamproy. Et là, qu'est-ce qu'il dit là? Afilo bichte yada basso. C'est d'une main à l'autre aussi ce qu'il a demandé d'ici. C'est aussi asso. Keda asikna, comme le maskana d'akma yud gimel. Yado achat, bachon le kochon. Vezeu shekatav rabenu beyado achat. Ok, on est clair dans le rabba. Vechet le pouvoir bala chot, c'est qui le bala chot? C'est le rif. Perek le fatim at kan de chouk du rab magi. Vechet katav aram de perek kama de betza. Ou le fizet. Maintenant, c'est ce que je vous ai introduit tout à l'heure. Had est année menaper miyad leyad. Ce qui a marqué dans la braïta qu'on a le droit miyad leyad. Achi kama miyad leoto yad atzmo yenaper. Miyad leyad. Peut-être c'est vraiment durant la prochaine émission, je ne l'ai pas vu. Peut-être je dois me rappeler. Gisa Yakuda. Bientôt 25 ans. Ah, bah, où tu vas le rajouter? Ad Rabbe le Shikata menaper miyad. Boto yad, c'est miyad. Achi kama miyad leoto yad atzmo yenaper. Et j'ai écrit sur le côté, Oulfizet. En abréviation, ouais. Ouais, Oulfizet. Yesh Likro, Miyad, Layad. En parenthèse, Bepata. Ça, c'est la Shida du Ramba. On est clair? Verabenu. Verabenu, c'est quoi Rabenu? C'est qui? Rabenu, c'est le tour alors. C'est le tour. Dans le tour, regardez qu'est-ce qu'il a permis. Regardez une page avant, dans le Saïf Zayin. Qu'est-ce qu'il a écrit le tour? La page d'avant. Aïe, l'homme est dans le Shabbat, t'es na péaf, miyad. Layad. Il faut la lire comme ça. Aïe, ouais. Miyad layad. Quoi? Le pshat, pas chaud du tout. Miyad layad. Miyad layad. Jure. Si Bébet, il pensait que c'était Beyad achat comme le Rambam, comme Rabbi Lazare, il aurait dû dire. Mais na péaf, Beyad achat. Surtout quand tu as Rabbi Lazare. Parce que c'est ambigu le lachat. Miyad layad, la page d'autre, c'est quoi? C'est d'une main à l'autre. Comme le pshat, pas chaud de la. Braïta, comment il s'arrange avec Rabbi Lazare, ça peut être la question du Bet Yosef. Vera Benou, je reprends dans le Bet Yosef. Vera Benou, Shekatav, Menapéach, Miyad, Neyad, Velo, Piresh, Yoter. Efchar. Alors, Efchar, Desvirale, c'est pas Moukhacha, mais Efchar, Desvirale, des Miyad, Neyad, Aïnou, Miyad, Echaverta, d'une main à l'autre. Ah, comme la Braïta, comment on s'arrange avec Rabbi Lazare, qui a dit Dafka, Beyado, Achat, Vera, Dama, Rabbi Lazare, Menapéach, Beyado, Achat, réponse, Aïde, Dama, Ravada, Kishret, Zbeota, comme la Déa d'avant, la Basteki, Ravada, Bar, qui a permis. Quand il t'a parlé, le Amora d'avant, il t'a dit Mikishrez Gota. Viens Ravadabarava et il vient te parler quoi? Yadachat. Ok? Léa Pouke, le Amora d'avant, qui lui t'a permis seulement Mikishrez Gota. Moi je te dis toute la main. Avalinachinani, des miyad la Chaverta, Nami Share, Kelishana, des Braïta. Aval effectivement quoi? Ça va être permis comme le Lachon. De la Braïta. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a répondu Bethsem le Beth Yosef? C'est quoi la question? Dans la Braïta, c'est marqué Miyad Leyad. Et le tour, comme ça, il est au chèze. Miyad Leyad. Ah, Rabbi Lazare, il t'a dit Beyad Ochad. Réponse encore, il t'a dit Beyad Ochad. Bébet, moutard d'une main à l'autre. Ce matin, il t'a dit Beyad Ochad. C'est pas les apouqués que Miyad Leyad, c'est assour. C'est les apouqués que Kishrez Botav seulement. C'est Madaï que c'est moutard. Et plus que ça aussi, c'est moutard. C'est leur Mourad d'avant, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit Kishret Zbotav, Mouta. Kol Ayad, non, il y a Mouta aussi. Je ne sais pas. D'après le Amora avant Rabbi Lazare. Ah oui, c'était Assour. C'était Assour. Sur ça, Rabbi Lazare, il se dit non, c'est une erreur ça. Quand on dit Kishret Zbotav, c'est l'homme d'Afka. C'est un filou Kol Ayad, Avalin Achinami, que c'est Mouta aussi Miyad Leyad. Quand il a parlé de Yad O'Achan, c'est pas pour exclure le cas de Miyad Leyad. C'est juste pour exclure la Déa d'avant. Il t'a dit que Kishret Zbotav seulement c'est Mouta, Avaliada Kolayad, Assour. Sur ça, il te dit Rabbi Lazare, non. Donc en fait, d'après ce Pshata, toute la main c'est Mouta et c'est pas la vraie toute la main. C'est même un filou Miyad Leyad, comme le Pshat de la Braïta. Ok. Et donc bien prévu, on va dire. Il me dit le tour, déjà Efchar, il prend des pincettes. Ouais. Efchar, il se vira les Miyad Leyad. Peut-être que non. Enfin, peut-être comme le Rambam, t'as raison. Ouais. Peut-être on va dire dans le tour comme le Rambam. Voilà. Miyad Leyad, ouais. L'Otoya, c'est même. Ça, on peut le lire. Aval. Après, il lui dit en plus, Aïnou Miyad de Chaverta. Aïnou Miyad de Chaverta. Donc, comment expliquer Mehmet comme la Braïta? Même Miyad de Chaverta, ça serait Mouta. Ah, Rabbi Lazare, il t'a parlé, Beyado Achad, Mashma dans la Vamina du Beth Yosef, que ça vient exclure d'une main à l'autre. Oui. Réponse, non, c'est pas ça que ça vient exclure. Ça vient pas être Mahmir pour te dire que d'une main à l'autre, c'est la sourde. Mehmet, d'une main à l'autre aussi, c'est Mouta. Ça vient t'exclure la Chumura. De Ravada Bar Matna, il t'a dit que Kishretz Beotav c'est Moutar. Aval Kolayad c'est. Sur ça, il te dit Rabbi Lazare, non, c'est faux.
Kishret Zvotav, c'est moutard, et même Yado Achat, c'est moutard. Il a rien de mime, il y a des yad aussi, c'est un détail. Mais non, c'est pas un détail, ça devient le. Il doit te dire le plus grand hidouche toujours. Il doit te dire miyad leyad. Il doit te dire que même miyad leyad, ça serait moutard. Si tu aurais dit miyad leyad, ça serait moutard, il aurait dit, comme tu as compris toi, Kishret Zvotav, les Kishret Zvotav, c'est moutard. C'est pour ça que lui, tu dis non. Yacholia, d'après ce malach du Bet Yosef, ça sortirait que Miki, d'après Ravada Barahava, quand il t'a permis Mikishret Zvotav, ça serait permis aussi Miyad Eyal, avant Mikishret Zvotav. Sur ça, il vient un Bézard et te dit non. Miyad Eyal. C'est quoi la Yad? Avant les Nachelemi, Miyad Eyal, comme toi-même, c'est Moutar Miyad Eyal, Mikishret Zvotav, c'est aussi pour moi. Moutar. Mais c'est quoi le Lartumba? C'est quoi le Chinou? C'est pas Bechet Yad Eyal. Le Ragil, c'est comme ça. L'habitude, c'est de prendre les deux mains ensemble. Donc, pas de jeter d'un côté, ça va tomber. Donc vous pourrez expliquer d'après les deux, quoi. Même qui serait Zvotav avec qui serait Zvotav. Oui, c'est un trop grand chez nous, c'est ce que tu dis, Rabbi Elazar. De passer d'une main à l'autre qui serait Zvotav, c'est un trop grand chez nous. Donc il y a des yats, un chez nous est suffisant par rapport à deux. Il y a de la Chabalta, Nami Shalé, Kélishana, de Braïta. Allez, le dernier passage maintenant. Garcina de Perekama de Betsa, Tnan, Atam, Amekalef, Seorim. Bon, maintenant, on est dans l'étape, on va dire, intermédiaire. Il y a retirer les séorim de l'ennemi. Il y a ouvrir la klipa, les kalefs. Et puis être ménapéach, enfin. Qu'est-ce qu'on a appris comme étape? Nous, on a appris jusqu'à présent la première et la troisième. La première, c'est quoi? C'est Molel Vénilot, ça c'est Dash. Et la troisième, c'est une fois que c'est retiré, non seulement de l'ennemi, mais aussi de la klipa. Ouais. Non, la klipa aussi, elle est enlevée. Ouais. Il faut juste la séparer. Ça, c'est l'ENAPR. Maintenant, on est dans l'étape intermédiaire. De l'Ekalef, c'est horrible. Ok ? On va réaliser comme ça. Un Ekalef, c'est horrible. Comment est-ce qu'on va faire ? La Braïta, la Gemara, elle dit dans Betsa. Mekalef, achat, achat, veoch. Vous voulez qu'on le voit deux secondes dans Betsa ? Comme ça aussi, ça va aller plus vite. Mais ça, c'est la troisième étape. Parce que d'abord, il faut enlever ce qui. Quand on fait l'ENAPR, on enlève quoi ? Qu'est-ce qui part ? Cette clipa là qu'on parle maintenant. Au lieu de le faire comme ça, on l'enlève à la main, c'est ça qu'on veut faire. On l'enlève à la main, mais encore tout est mélangé. J'ai compris. C'est pas il a pris, il a jeté. Alors regardez dans Betsa, Yud Gimel. En fait, c'est une autre manière, au lieu de faire mes poires, on fait à la main. Alors, vous l'avez au milieu de la page. Tnan Atam. Yud Gimel. Ici, regardez plus haut là. Quoi, c'est dans la main. Deux points. Tnan Atam. Amekalef, c'est horrible. Ouais. C'est horrible, mais Kalef Achat Achat. Mais Kalef Achat Achat, il a le droit de une par une. Vim, Kilef, Nathan et Torgado, Chaya. Si par contre il en a épluché plusieurs, il va être Chaya. Alors, déjà il faut introduire ici de quoi ça parle cette question. Ça parle de Maasrot. Ouais, c'est quoi Maasrot? On sait que Maaser, tout le temps qu'il s'appelle Achilat Arai, c'est pas Chaya de trouver votre Maasrot. Si c'est Achilat Keva, c'est Chaya. Qu'est-ce qui est Achilat Arai ou Keva? Si tu ouvres une et tu manges, c'est Achilat Arai. Par contre, une, tu en mets plusieurs en fait, sur la table, ça devient un filet de kéva, c'est très bien, c'est ce qu'ils disent. Viens, Rabbi Elazar, va Rabbi Elazar, Vechem des Shabbat, c'est pareil aussi par rapport au Shabbat, que par rapport à la dîme de Shabbat, si tu en enlèves une, tu manges, c'est bon, mais plusieurs, ça sort. Akmar demande, Ini, c'est étonnant, Vea Rav, mais qu'elle fait les débitous, qu'est-ce que c'est? Voilà, la Rav, mais qu'elle fait les débitous, c'est sa femme. La femme de Rav, elle est épluchée, elle a enlevé l'écorce, cassé, plusieurs verres. Rabbi Chia, pareil, mais qu'elle fait les débitous cassé. Donc, machma que les calefs, c'est horrible, d'en enlever, d'éplucher plusieurs pendant Shabbat, c'est moutard. Donc, ce qu'il a dit Rabbi Lazar, Vechen et Shabbat, c'est ça revient pas sur ça. D'accord ? Enlever les pluchures d'Echitim, là, Gemara, elle a compris dans la Rabbina que tu as le droit d'enlever un et tu manges, mais plusieurs, ça assourd. Et d'après là, et voilà, il y a des maasim, des histoires que Rav et Rabbi Chia, leur femme, elle épluchait, elle remplissait en quantité, dans plusieurs vers. Donc forcément, que ce qu'il a dit Rabbi Elazar, Vechen et Shabbat, il a dit Vechen et Shabbat, ça revient pas sur le fait d'éplucher plusieurs séorim. Ok ? Alors, c'est quoi là le. Vechen et Shabbat. Vechen et Shabbat. Ça revient sur un autre dîme, sur un dîme de la Sefa. C'est quoi la Sefa ? Continuez. Et là, Itma, si Rabbi Elazar il a parlé de Shabbat, et là, Itma, à Sefa Itma, ça revient sur la Sefa. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Sefa ? Amolel Meninot, Shelchiti, Menaper, Khaliad Aliad. Celui qui va donc enlever les Meninot de Shelchiti, il doit être Menaper. C'est comme Menaper, comme on a dit, retirer, vanner, à souffler, Aliad Aliad, Veorchem. Par contre, il dit Per, Menatan est Ortreko, Khayab. Rabbi Elazar, Vechen et Shabbat. Sur ça, il revient le titre de Rabbi Elazar.
de te dire que quoi? Que lorsque tu veux vanner, tu veux enlever plusieurs, toutes les clipotes, en soufflant, ou bien en les enlevant, en les jetant en l'air, c'est seulement si tu prends une petite partie. Un petit peu de ces de chitim ou de séorim. Mais si tu prends un kilo et tu envoies tout ça en l'air, là c'est un problème. Ok? C'est sur ça qu'il revient le dit de Rabbi Elazar. En tout cas, ça ne revient pas sur le dit de Klifa, de déplucher. Ça, on a le droit, ça. Ça, on a le droit, ok? Ça, c'est ce qui a marqué dans le Maseret Betsa. Donc, tu vois que leur femme leur faisait ça en quantité, parce qu'on a le droit, ça. On a le droit d'enlever les pluchures, ok? Il y a quelque chose de racheter tout ça, on va aller le mettre aussi, mais c'est un de. Ah, c'est ça qui est c'est aussi le plus rouge de racheter. Bon, pour expliquer, c'est quoi le dit de Klifa? Vous voulez voir, deux secondes, on est ouvert. Deux secondes. Alors donc U Gimel à votre bête, vous levez le Tosfot, Vim qui lève. Vim qui lève. Vim qui lève Nathan et Torchiado, Khayab. Donc on a dit quand tu vas enlever les pluchures donc autour de la chita et de la Seora, si tu en enlèves un c'est boutard, plusieurs c'est assourd dans la manière, puis là Shrachi, de quel Klifa on parle ici? Vim qui lève, Mitor Hashibolim. Ah, de quoi on parle ici? De retirer le grain de blé de l'épi de blé. Ah, qu'est-ce qui nous pose problème là? C'est Dash, hein. C'est Dash Gamour. Et quoi? Et d'après la couchée de la Gemara, qu'est-ce qu'on va voir après? C'est quoi la Paskana? Que leur femme là-bas leur faisait en quantité. Donc c'est pas. Bah, putain, comment c'est parmi de choses pareilles? Vetema, il demande ta sol. Et Rime et Kalfa, les raves des bitous cassés. Comment ça se fait qu'ils faisaient ça? Ah, Marlène, des Molen Melilot. Ah, Marlène, plutôt, pourtant on a vu plus haut. Des Molen Melilot, mais Rêve Shabbat. Mashma, Abbé Shabbat, Assou. Comme on a dit, d'après la Chita de Rachid Tosfot. Pendant le Shabbat, on n'a pas le droit, même avec chinouille, de retirer le Shabbat. Donc ça, c'est Kusha sur Rashi. Veyashoma, explication de Tosfot. Veyatam, regardez la différence. Maire, litlosh, minashibolim, shou mefarek. C'est pour ça que plus haut, on a dit que pendant Shabbat, c'est assur. Vezeout, olada dedash, shewav melacha. Veyacha, ici, ce qu'on a permis ici dans la klifa. Maire, veyashikvar, nitleshou, meyav Shabbat, minashibolim. Aval, odhen, bikli, patan, achitsona, boulkar, charem. Donc, comme on l'a dit, on est dans la deuxième étape. On les a retirés de Chiboli. Ça, c'est Dash. Ça, c'est Dash. Ça, c'est le Dafyut de Betamoudet qui est assuré pendant le Shabbat, même avec chez nous. Mais chez nous, dans le Dafyut de Gimel, on parle que c'est un peu plus petit. On va voir le petit kitba qui le retourne. Alors, dans ce cas-là, quoi, il faudra enlever combien? Et tu peux en faire ce que tu veux. Casse à casse. Casse à casse. Ok? Ça, c'est le plus rouge de Tosfot. Alors, on va maintenant le Bet Yosef. Alors, la carte du était déjà là. Les grains de blé, c'est déjà là. Que oui, parce qu'ils ont été retirés des billes de blé. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a le droit de retirer tout ça. C'est pour ça qu'on a le droit de retirer. Parce que la femme de Rav et de Rabbi Chia, ils se prenaient cassé-cassé justement des petites clipotes. Ouais. De ces petites clipotes, on a le droit de prendre cassé-cassé. Et ils laissaient les clipotes à l'intérieur du blé. Et après, ils bannaient. Ah, la ce troisième étape. Alors justement, la femme. Ah, la vie, la vie. On regarde dans le Bet Yosef. Et en fait, là, il va recopier tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Garcinan, c'est une mishnah dans un astrol. Ça, c'est à propos de Maaseh. Ah, Bilazar, Bechen et Shabbat, sur le Kilouf. Ini, c'est étonnant. Ve'arab, Mekalfele, Debitou, Kasekase, Ve'arabichia, Mekalfele, Debitou, Kasekase. Voilà, il faisait ça en quantité. Et là, Itmar, le dit de Rabbi Elazar, Bechen et Shabbat, Asefa Itmar, de quoi? Amolel, Menilot, Chetritim, Menapéach, Aliyad, Aliyad. Veochem. Vim, Nipéach, Menatan, et Ofreko, Chayab. Et sur ça, on te dit à Rabbi Elazar, Bechen et Shabbat. Ok? Donc ça revient sur le dit de. Ouais, c'est les Tofreko. Les Tofreko, ça veut dire dans la poche qu'il a. On va développer encore ce dit de Tofreko. Les quatre voies de Spot, Vim, Kilef, Menatan, et Ofreko, Chayab. Qu'est-ce que c'est cette klifa? Vip qui lève, mitor à Shiboli de l'épi. Et sur cette soit il demande, mais t'es mort. Merci, mais Kalfa des bitous les raves cassés, cassés. Comment il faisait ça en quantité? Ah, Marinanel, putain, on a vu dans le DAF d'avant. Les molènes, les lots, les rêves, Shabbat. Tout ce qu'on a permis, Shabbat, c'est d'Afka la veille du Shabbat. Verroulé, Mashma, Habé Shabbat, Assour, Mashma, c'est complètement interdit. Or, d'après Rashi, voilà, il faisait ça en quantité. C'est étonnant. Mais je me réponse de Tosfot. Data Maire Litlosh Minashiboli, chez où Befarek. Donc, quand est-ce que c'est un problème de Befarek? C'est lorsque tu retires de quoi? Des épis de blé. Mais c'est où son âge de Dash ou Abelacha? Bien fait.
והאחר, פה קודם אנחנו צוגים אנו, כי זה אומר שדה, נראה בשכבר נתלשו מערב שבת מן השיבולים. זה דג'ר לא צירה לזה מדבלה, אבל עוד אין פקליף מדן, פה קודם זה הכי צונה. זה דן קורד, אני לא קליפה, הכי צונה. הוא לקר, שם... ברוך השם,